Bonjour, 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 comment allez-vous? À saluer tout le monde. Et saluer toutes les amis camarades. À saluer tout le monde, mes amis bébés J109. Bonjour, 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 bonjour Nixon, bonjour le Chama Mark. Le Chama, comment est camarade soldat solide? Comment est-ce activité sacrée? Myria, Myria, bon, comment est bonjour Myria? Voici le week-end noir bien passé là. Je salue nous toutes matin, c'est un plaisir pour m'avoir nous. Comme d'habitude, bien entendu. Bon plaisir, ma reine. Maintenant, là, nous allons faire un petit... Nous allons faire un petit parler. Bayo, un petit Jean chaud. Et quand le monde qui va finir comprendre comment nous bataillons nous-mêmes, et nous allons l'expliquer pour vous, pour qui raison nous-mêmes dans BBJ109, nous BBJ109. Et je dis à nous allons clarifier quelques points. Rappel, camarade, comment oui, salutations à vous-même. Et merci, 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 merci. La bataille, nous ne pouvons pas décourager, nous continuons la bataille. Et. C'est un soldat, un soldat son monde qui bataille et qui pourrait pouvoir avancer. OK, quelles que soient les circonstances, problème, n'a pas avancé, n'a bataille, n'a poussé pour vivre. Et il y a plein de monde m'a commencé avec nous matin là. Il y a plein de monde qui pas comprendre, qui toujours demander. Bon, écoutez, monsieur Lavoisier, monsieur Lavoisier, monsieur Lavoisier, nous pas comprendre quand on campe. La monde dit ça, c'est que les besoins métaux dans yon. Les besoins métaux dans camp. C'est pas comprendre, ni pas comprendre, ce qu'on dit, non. C'est pas comprendre, ni pas comprendre, pour qui raison à bataille, non. C'est pas comprendre, ni pas comprendre, bien entendu, ligne, non. Mais les besoins métaux dans camp. De quoi pour le camé ton étiquette sous. Par exemple, les nègres du comme ça. Bon, nègres la voisie ça. Nègres la voisie ça. Est-ce que c'est dans l'opposition ou bien c'est pour la c'est net pouvoir? Y'a besoin qu'on pour qui est souillé? Est-ce que c'est nègres Yuyé? Est-ce que c'est nègres Jean-Charles? Est-ce que c'est. Y'a besoin qu'on ait qu'on campé. Mais et pas attendez, et pas qu'on ait ou pas qu'on ait du coup pas dans la classe. Ou pas marcher avec pièce pour dans la classe politique traditionnelle là non. Parce que dans gris, y'a gado là. Lunettes que vous avez dans les yeux de vous, sont lunettes que vous avez que vous formez comme ça. Ne maillez, vous préparez comme ça. Vous préparez pour vous compte pour toujours dire, sous pas X, c'est Y ou Y. Sous pas Y, c'est Z ou Y. Ça veut dire, quelle que soit la position, vous avez gagné, vous avez toujours allé dans le sens de nous. Parce que vous voulez aussi, c'est dans le camp où vous êtes. C'est-à-dire, même, vous n'avez pas choisi le camp où vous êtes. Eh bien, tout d'abord, je vais faire un travail de clarification. C'est-à-dire, je vais mettre les points sur les i pour quelques incrédules et quelques mécréants qui s'amusent, bien entendu, à jeter, y a essayé pour eux, dans quelle mesure ils étaient capables de jeter quelques discrédits sur ma personne et bien entendu sur le mouvement de BG109. Nous autres, nous voulons une fois de plus réitérer notre volonté, notre détermination auprès de chaque Moun, membre BBJ109, et auprès de chaque grain haïtien tout à fait particulier dans la direction que nous avons bataille. Philosophie pas nous on dit dans BBJ109, n'est pas aussi évident pour quelques individus cernés. Maintenant, il faut un niveau de capacité extraordinaire, un niveau de compréhension énorme. Il faut apprendre à voler sur l'échelle de Jacob pour monter et descendre, pour arriver à cerner la dimension à la fois métaphysique, mysticos, christique. Du BBJ109. Ça m'a dit, oh là, c'est pas un bagage aussi simple. Wilkins, comment y'a, camarade, moi, depuis en France, m'a salué. C'est pas un bagage aussi simple. Et la raison pour laquelle, que au niveau de BBJ109, nous sommes pas
des hommes et des femmes qui entrent dans le mouvement pour aller mettre tête dans n'importe bagage. Non. Nous clairs sur un bagage. Mais cependant, ou pas qu'à entrer dans le BBG 109 pour une bataille, c'est pas qu'on ait exactement vision, nous, conception, nous, qui côté nous, voyons avec philosophie. Parce que philosophie n'a pas son philosophie qui est extrêmement high. Ou imaginez une compréhension, tout le monde, petit peuple haïtien, pour qu'on peut aller dans le BBG 109 pour dire nous pas dans la classe politique traditionnelle. En pile raison qui fait en pile monde pas comprendre position nous les nous dit nous pas dans classe politique traditionnelle, c'est parce que yo même yo getan choisi quand nous déjà. Ce sont des individus qui getan alliés en parti politique traditionnel et puisque yo entre tête yo en dedans politique pas yo groupe et en parti politique traditionnel, yo pense que aller pour pouvoir à travers politique à travers parti politique ça yo, c'est ça qui va résoudre problème pays d'Haïti. Yo pense yo toujours associé avec la prise du pouvoir, la conquête du pouvoir, comme un moyen ou bien un outil pour retirer le pays à la marasse qu'il y a là. Nous autres, au niveau de BBJ 109, nous n'avons pas fait cette lecture. Au contraire, nous entraînons dans une dynamique pour nous condamner cette lecture que nous qualifions de mauvaise. Parce que c'est une lecture en surface. Nous avons, bien sûr, au cours de ces dernières semaines, développé une certaine compréhension de la réalité sociopolitique économique haïtienne dans une dimension historique pour nous cerner, bien entendu, à la fois les constantes qui, en quelque sorte, a guidé, a dominé la réalité politico-économique et sociale haïtienne et même culturelle, et bien entendu, pour nous montrer le bien fondé de notre mouvement. Mais c'est pour me dire, nous, un pile monde qui pensait que les m'a fait live ou bien nous dans BBJ 109, yo obligé nous obliger un pile monde avec. Non, c'est pas du tout pas. Parce que tu me dis nous philosophie nous avec compréhension nous de réalité haïtienne là, li pas donné à tout le monde pour comprendre. Et c'est ça qui fait que ouais, li pas aussi évident pour nous grand pile monde. Nous pas besoin pile monde parce que philosophie en son philosophie qui est extrêmement high, li élevé. Et m'a dit nous ça très 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 clair. Un pile monde si nous engageons nous dans une bataille de déconstruction, dans une bataille de décolonisation, dans une bataille de démystification, ou pas qu'à n'importe soldat. Maintenant, il faut comprendre que pour accoucher cette nouvelle société, que nous-mêmes au niveau de BBJ 109 nous besoin, il est clair que nous devons pointer du doigt la société actuelle que nous avons. C'est-à-dire que nous pas qu'à parler, jour et jour, d'une nouvelle société que nous besoin, sans que nous ne remettons en question cette nouvelle société et les mauvaises pratiques qui existaient dans la société haïtienne. Maintenant, ce n'est pas à travers une approche analytique seulement, mais c'est à travers une approche systématique. Systématique et systémique, dans la mesure où nous avons pu développer une certaine compréhension globalisante et totalisante de la réalité haïtienne. Que ce soit dans sa dimension subjective, mais aussi dans sa dimension objective. Mais ce qui est important, c'est bien sûr ce rapport qui existait dans la réalité haïtienne à travers les structures, l'ensemble des structures qui déterminent le comportement haïtien et qui accouchaient le modèle haïtien que nous avons là à de la société, ça que nous gagnons, je ne veux dire. C'est pas un bagage qui est aussi simple pour les quelques individus, c'est ça que fait nous-mêmes dans BBJ 109, nous toujours après, on sait des gens qui pas cassés par nos têtes pétées. C'est pas dans une dynamique de discrimination, non, nous sommes pas aussi entrés dans une logique de discrimination. Et c'est ça que fait, on a parlé, en plus le monde comprend sur Facebook, c'est ça que fait, nous pas dans BBJ 109, on a fait live, nous, le monde pas venu entrer là, dans comme ça, pas venu, il y a deux comportements gagnés. C'est soit on vient nous garder au tuer pour virer d'où aller, ou bien on entre là, dans ou jouer, après ça, l'on vient entrer dans le niveau, nous lever niveau ou virer d'où aller. C'est clair, pas de mentir là-dedans. Parce que nous réalisons un bagage qui est clair là-dedans. Nous avons un bagage qui est clair dans l'haïtien. Et c'est ça que tout le monde ne comprend pas. Nous étudions haïtien. Son travail ethnographique, nous étudions l'homme haïtien. De ce qu'elle est dans sa liée. L'homme haïtien que le système 1806 a couché jour et jour. Le système 1806 établi par Pétion, c'est-à-dire les mulâtres, il a couché l'homme haïtien qui a un petit comportement où elle gagne là jour et jour. Si on homme haïtien qui pas valorisé, bagay qui bon. Li valorisé parce que tout ça le valorisé, c'est ça qui sorti à l'étranger. Tout ça qui valorisé, c'est ça qui venu de l'Occident. Tout ça qui que le valorisé, c'est ça qui sorti l'autre bord. Et actuel toujours parler l'autre bord. Li besoin machine qui saute l'autre bord, li besoin manger qui saute l'autre bord, li besoin caille qui saute l'autre bord, li besoin modèle li. Tout ça le besoin comme cadre référentiel, tout temps le passe l'autre bord, passe dans l'Occident, passe en France, passe au Canada, passe aux États-Unis, li pas balle aucune valeur.
Et je vous dis, nous avons fait ce constat. C'est-à-dire que nous assistons à ce qu'on appelle de façon timide, mais réelle, à ce qu'on appelle une domination systématique, bien entendu, de l'Occident sur la réalité haïtienne. Maintenant, nous avons compris, nous autres, la nécessité pour nous, en tant que jeunes haïtiens, pour nous capables, qui à l'étranger, bien entendu, pour nous capables, mettre les points sur les i et pour nous toucher malade la quotidienne. Si ça te fait, il m'a donné un pile courage. Le plus facile pour un jeune garçon, je ne veux dire, à marcher derrière un candidat, classe traditionnelle pour les vivre ou bien pour les abattre. Cela se comprend. Considérant, bien entendu, les conditions socio-économiques que jeune garçon, ça, jeune femme, ça a trouvé dans le pays. Seule façon pour le tarot et pour le tarot, un petit job, c'est dans l'État. Et pour le petit job, ça, dans l'État, parce que, pas oublier, premier employé qui gagne employeur, qui gagne dans le pays d'Haïti, c'est l'État haïtien qui employe à 70% de monde dans l'économie pays. Maintenant, il faut comprendre que, et sur le marché du travail, maintenant, la population active, c'est l'État haïtien qui employe 70% de monde. Et 30% c'est le secteur privé. Maintenant, vous comprenez maintenant l'enjeu qui fait que l'État haïtien vient tourner un seul rempart, non seulement pour les politiciens traditionnels, mais aussi pour les militants, comme yo, ouais, l'État haïtien, c'est celle exit yo gagne pour yo capable de soucier, pour yo manger en menthe. Maintenant, ça se comprend. Parce que conditions misère qui a vivre là-dedans, conditions socio-économiques qui a pourri là-dedans, il est évident que jeune garçon par l'autre moyen pour entrer là-dedans, c'est entrer dans nos partis politiques, bataille à faire militantiste, cette façon pour le jeune homme mille goudes, et n'a pas assisté, bien entendu, à une sorte de professionnalisation, bien entendu, du militantisme haïtien, côté que nèg la connaît, c'est cette façon, les gains crises, les gains manifestations pour le fond mille goudes, pour l'album clairé, pour répondre à des besoins et primaires. Maintenant, là, nous gardons les modes de comportement, ça, nous analysons, nous comprenons que ce sont des victimes. Des victimes d'un système qui est établi depuis 1806. Et ces victimes-là, ce sont des victimes qui n'ont aucune conscience, bien entendu, quelconque, de réalité qu'il y a à vivre là. Et ceci explique, bien entendu, le fait que nos jugements, nous, nos comportements, pas nous, au niveau de BBJ 109, non seulement nous prenons des reculs par rapport avec le mode de comportement, ça, mais nous estimons que le militantisme en Haïti tel qu'il est prôné, nous pensons que lui représente un danger majeur avec pour accoucher une nouvelle société. Ça. Et c'est la raison pour laquelle que nous disons, bien entendu, que le militantisme en Haïti, loin de ce qu'on appelle, bien entendu, avec le civisme patriotique qui doit animer un jeune garçon. Maintenant, la raison pour laquelle que nous avons posé question, ça, nous poser, soulever problématique, ça, pour nous faire comprendre que, les jeunes garçons décident pour entrer dans un parti politique. Qui premier motif pour entrer dans un parti politique? Est-ce que parce que ils croient en vision? Est-ce que parce que ils croient en idéologie? Est-ce que parce que ils croient que idéologie et vision, ça, que parti politique, ça pône ça? Je ne dis à l'ouest que c'est lui-même qui a changé conditions socio-économiques pays pour chambarder système pays des soucis qui gagnent dans le pays. Et à partir d'observations que nous faisons, nous venons penser que je ne dis que les partis politiques en Haïti, gens ont conçu et gens ont compris, ils ont pris politiques et militants pour faire. Dans une certaine mesure, il fait que militants, yo ba une formation de base, et une formation politique ba de base, c'est ça qui va expliquer le comportement que vous venez gagner. Parce que yo exploité, bien entendu, ignorance et connaissance limitée que militants ont gagné en ce qui a trait avec le fonctionnement du système tel qu'il est conçu et établi en dedans pays d'Haïti. Maintenant, mes chers amis, il faut comprendre que à partir de ce constat, nous te prenons initiative pour nous capables de pointer du doigt ce mode de comportement. Ce mode de comportement que nous jugeons, bien entendu, néfaste. Néfaste pour un bon, pour un développement d'un civisme patriotique, côté que l'un citoyen décide d'engager l'un des parti ou bien des groupe, il y a une raison claire qui fait l'engager la donne, c'est parce que l'inscrit il ont dynamique, côté épouser une idéologie, une certaine vision de la société pour l'accoucher en nouvelle société. Mais puisque ce n'est pas du tout le cas, et ce n'est pas à ça que n'a pas assisté, bien entendu, c'est ça expliquer, bien entendu, les dérives comportementales que les militants en Haïti gagnent, que y aurait les ratpakaka, que y aurait les gangs, que y aurait les chimèques, que y aurait les ceci, cela. Eh bien, cette dérive a porté atteinte, bien entendu, au bon fonctionnement de la société, et ceci, bien entendu, contre leurs propres intérêts. Nous pensons qu'il y a un gros problème d'aliénation qui fait que les jeunes haïtiens, l'aile prend la rue, c'est contre propre tête de la bataille, l'aile a le manifester, c'est contre propre tête de la bataille, l'aile a le manifester, c'est pour le craser, briser, propre bagaille, gagner. Nous pensons qu'il y a un problème d'éducation qui est posé à la base, et puisque le problème d'éducation s'est posé à la base, et la classe politique traditionnelle est consciente de ça, et elle fait en sorte que elle kembe militants dans la situation ça de façon à ce que yo toujours exploiter yo utiliser yo à bon gré à bon escient pour au profit de leur propre intérêt.
Maintenant, il faut remarquer bien, militants, tout on parle de responsabilité. Pas une responsabilité qui est avec niveau de compréhension ou bien de connaissance que le gagne par rapport au mode de fonctionnement de société haïtienne. Non. Mais il on parle de responsabilité par rapport avec un niveau de moralité que le capable de développer. Maintenant, quand un jeune garçon qui est dit l'entrée non parti politique, même là, on dirigeant politique, t'as dû craser ou bien à briser, on bagaille, à détruire, on bagaille. Une responsabilité individuelle, t'as rien au compte pour poser la question. À savoir, est-ce que m'a le boulot l'école pendant ce temps, il y a un paquet de timoun, un paquet de grand monde qui est dans l'école là, qui a bénéficié de l'éducation. Est-ce que m'a le boulot marché, côté que m'a connaît un paquet de monde, jeune garçon, qui a pas machin, qui a vendu le marché. Elle a dit, une question fondamentale qui posait, mais c'est une question éthique et morale. Elle a dit, problème, ça a lui posé, fondamentalement, par rapport avec l'usage et instrumentalisation qui fait du militantisme haïtien, il y a un véritable sauvage sur la scène politique haïtienne. Maintenant, est-ce que montrer notre dynamique pour condamner le militant en tant que tel? Non. Je considère que le militant, tel qu'il est compris, conçu et imposé dans la réalité haïtienne, à travers de partis politiques, on pense que le militant, les victimes, c'est un victime. Et il a toujours été victime. Pour la simple bonne raison, parce que premièrement, victime de ce qu'on appelle un manque d'éducation. Non seulement éducation civique, éducation morale, mais aussi éducation de façon générale, ce qu'on appelle éducation formelle, qui ne peut pas favoriser ce qu'on appelle extension et compréhension de réalité sociopolitique et économique pays. Mais ce que je tiens pour responsable, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle que BBJ 109 nous créer par rapport à notre position, c'est-à-dire mesure que nous prenons pour nous couper code nombrite avec classe politique traditionnelle. Là. Nous estimons que les dirigeants de la classe politique traditionnelle en Haïti, ce sont des hommes méchants et extrêmement criminels. Méchants, criminels pour un, ce sont des hommes qui instruisent, qui forment. Ce sont des hommes qui exposés à un certain niveau de connaissance. Ce sont des hommes, bien entendu, qui voyageaient, allaient à l'étranger, qui voit comment pays développer. Ce sont des hommes qui, bien entendu, ont carence en matière de leadership. Et lorsqu'on parle de leadership, ont niveau de moralité et éthique. Surtout dans le coup que nous dispensons qui est le leadership avec éthique. Leadership et éthique. Maintenant, la seule classe que nous rendons responsable, c'est la classe politique. La classe politique qui échoue dans la dynamique, bien entendu, pour être capable d'instruire le peuple haïtien. Mais nous venons rendre compte, c'est pas vrai ou pas, c'est pas instruire ou pas instruire, éduquer peuple haïtien. Mais si on éduque peuple haïtien et permettre à ce que peuple haïtien exposé à la connaissance, il n'y a pas d'avantageux. Il n'y a pas d'avantageux pour quelle raison? Parce que du moment que peuple haïtien vient développer et exposer à la connaissance, il y a une conscience et qu'on y a l'air après faire choix, il a fait des choix éclairés. Il n'y a pas de guider, il y a mené, il y a une marionnette déjà ouvrée. Eh bien, il n'y a pas d'intérêt, la classe politique traditionnelle, dans le leadership, il n'y a pas d'intérêt pour permettre à ce que militants, qu'on lit, qu'on écrit, exposé, et pour construire conscience citoyenne de façon à ce que vous soyez capable d'exprimer sur la scène politique. Mais cependant, il y a besoin des militants qui vous portent valise pour vous. Il y a besoin des militants qui vous trouvez dans des situations difficiles par rapport au pouvoir, pour vous capable, bien entendu, d'utiliser militants pour faire manifestation, craser, briser pour vous, bloquer pays pour vous. Il y a besoin des militants aussi pour les arriver au timon des affaires de l'État. Pour jouer au bandit pour eux. Moi, le mercenaire, moi, le bandit qui pourra briser les armes visées pour eux. Moi, des militants pour eux, quand Genève et famille qui pourra semer la terre pour eux. Des militants qui pourra faire des crimes odieux, des crimes odieux et des crimes assassinats pour eux. Maintenant, il faut comprendre que c'est dans la logique ça que la société haïtienne, dans le jour elle trouve dans la dérive, nous, elle y a. Nos sociétés côté qui dépravent les valeurs morales et spirituelles par place dans la société haïtienne. Parce que la classe politique traditionnelle a échoué avec responsabilité qui s'est formée, éduquée civiquement peuple haïtien et les arrivés au timon des affaires de l'État prend des mesures adéquates pour permettre à ce que la population haïtienne soit capable d'exposer à une meilleure éducation qui pour permettre une conscience citoyenne de développer, construire de façon à ce que pour ne pas quitter personne, mener yo Jean Rouvelet. Maintenant, nous pensons que l'initiateur pour nous pointer du doigt les principaux responsables de ce dérive. Nous accusons de façon claire et nette la classe politique traditionnelle et nous voulons qu'ils assument leur part de responsabilité. Dans la dérive, ça qui vient. Je ne dis pas que la société haïtienne
à confronter. Et la raison pour laquelle que nous accusons, c'est parce que ces hommes sont exposés, bien entendu, à des connaissances, ils ont voyagé comme un pays développé, et nous accusons, bien entendu, par rapport avec la République dominicaine, qui joue aujourd'hui, hein, dépassé nous considérablement en matière de développement. Et ceci, si joue aujourd'hui, un peuple haïtien, la jeunesse haïtienne de façon particulière, a quitté le pays d'Haïti pour aller réfugier aussi sur Saint-Domingue, au Chili, au Brésil, avoir subi des humiliations, c'est parce que la classe politique traditionnelle telle qu'elle est conçue et comprise en Haïti a été tolérée dans leur irresponsabilité, a été tolérée dans leur déviance, dans leur manque de leadership. Et mal dit nous ça, je dis, on l'a bien. Il n'est pas évident pour nous comprendre le tort que classe politique traditionnelle ça fait avec le pays d'Haïti. Il n'est pas aussi évident pour nous comprendre pour quelle raison que nous-mêmes au niveau de BBJ 109, nous créons que nous ne pouvons pas identifier, nous ni marcher avec personne dans la classe politique traditionnelle. Maintenant, qu'il y a des problèmes avec nous par rapport avec notre radicalité. Notre radicalité à ne pas confondre avec le radicalisme. L'inscrit bien sûr dans un esprit de rupture avec cette pratique que classe politique traditionnelle a toujours prônée et toujours a fait en dedans le pays d'Haïti. Pour me dire nous bien, lorsque me parle de classe politique traditionnelle, en pile dans nous ne doit pas finir cerner dimension que m'a traité à là. Et je veux dire, on a remarqué. C'est cette même situation qui expliquait si Nicolas capable de retourner dans le pays d'Haïti et Madame Michel Bennet capable de retourner dans le pays d'Haïti à parler Jean Ouvé, ni Jean-Claude Duvalier qui était mourir. C'est parce que le peuple haïtien, lorsque le pas exposé avec éducation, n'importe qui a venu, il fait salver sous peuple là et puis il pense la soutien avec Jean Ouvé. Elle a dit qu'il y a un sentiment d'impunité. N'importe qui qui fait pays ça, salvé, il y a une possibilité pour le tourner vite faire encore, salvé. Et nous avons développé, construit cette culture de la réalité politique haïtienne pendant un nombre de temps. Je ne veux dire, si Duvalier risque de retourner sur la scène politique, avec le sentiment que il a fait un bagage sérieux dans le pays d'Haïti, c'est parce que le système judiciaire haïtien, il détruit essence, il n'a pas existé. Il n'a pas existé parce que personne n'est pas responsable en dedans pays d'Haïti. Il y a un gros problème de responsabilité en dedans pays d'Haïti. Et si ça fait aux États-Unis, il y aurait ça accountability. Son concept qui est extrêmement fort, accountability. Dans la politique aux États-Unis. N'importe qui fait un bagage, il make sure que vous tion accountable pour s'en faire. Quelle que soit politique décision de prendre, yo doit rendre nous accountable. Faut responsable de ça. Mais dans la réalité haïtienne et dans la politique haïtienne, nous effacer ça, c'est ça qui fait tout le monde parler de impunité. Les Duvalier responsables, ils ont fait ça au vle pendant un régime de 25 ans à diriger un pays. Ils ont détruit des vies. Ils ont détruit des personnes. Et puis ils ont effacé l'histoire. Parce que pas des gardiens de notre mémoire nationale. Ils détruit en société et puis ils retournent pour faire surface encore en dedans société haïtienne. Et le pire dans tout ça, dans son insouciance, le peuple haïtien décide pour acclamer Duvalier Rissio à bras ouverts. Faites attention, c'est bon bagage qui sien. C'est un gros problème d'éducation qui posait. Il y a à la fois un problème d'éducation, mais c'est pas n'importe quel type d'éducation. C'est une éducation civique et morale. Civique, parce que pas un amour patriotique pour le pays d'Haïti. Morale, parce que la responsabilité individuelle, c'est-à-dire cette capacité pour connaître la responsabilité en tant que citoyen, en dedans société haïtienne, son bagage nous retire, nous détruit. Et lorsque je détruis une société, premier bagage ou attaquer, c'est niveau d'éducation civique lié à morale et spirituelle.
Parce que c'est base toute société. C'est fondement où ça paie. L'on attaque la dimension métaphysique. C'est-à-dire les grandes visions, ce qu'on appelle méta-récit, qui pour permettre l'existence mondiale dans la société a un sens. Dans le rapport entre culture et société, c'est-à-dire la dimension culturelle de la société, à savoir dans sa dimension métaphysique. C'est lui-même qu'on attaque d'abord, c'est-à-dire racine spirituelle société, qui c'est fondement éthique et moral société. L'on attaque lui ou fait vin tomber en dérision, c'est ce qu'on appelle l'effritement des valeurs morales spirituelles, c'est-à-dire dans une dimension axiologique, c'est-à-dire principe axionomique qu'on est dans la société haïtienne. Yo sape yo, yo remette en question, qui t'a supposé, bien sûr, construire un véritable citoyen honnête, intègre, droite, de façon, les rivières dans l'État, les connaissent pour un penny dans la caisse l'État. 10 gouttes sales pour en dans l'État, les fait du tort avec 10 à 40 moun. Même laisser 5 cobles les prendre dans l'argent l'État, les fait du tort avec des enfants reculés dans la campagne, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès avec l'eau potable, qui n'ont pas accès avec manger pour manger. Les nègres la prennent un penny. C'est du tort qu'il fait avec Resfrel. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire cet esprit de fraternité. S'il te comprend la dimension problématique de la notion de bien. Là, on parlait de bien. En dedans société, bien commun. En dedans société, nous d'après l'importance pour les citoyens. Les rivés au timon des affaires de l'État. Ils va gérer l'argent de l'État. L'État connaît que le pas supposé à aucun moment pour le pont pénis la donne. Pour servir propre intérêt. Au détriment du bien commun, au détriment de la société en général. Et si nous assistons aujourd'hui à cette souffrance amère que le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne a enduré, c'est parce que l'élite sociale, quand je dis l'élite sociale, m'a pas adressé bien sûr à l'élite politique, l'élite économique, l'élite intellectuelle, en dedans société haïtienne, non, qui en quelque sorte marie contre l'ombritio avec l'Occident pour être capable tout pisime, la jeunesse haïtienne et le peuple haïtien. Maintenant, il faut comprendre que l'enjeu que m'a soulevé là, ce sont des enjeux cruciaux pour le destin de notre nation. Maintenant, femme, dis-nous bien, ne démarche pas nous. Nous toujours comprendre que le plus souvent, la société haïtienne telle qu'elle est conçue, je nous gagne aujourd'hui nous ni à travers le mode de contrat social senti crise à Yobanou. Nous comprenons que l'inormal, pour un jeune garçon lever un bon matin, pour arriver au timon des affaires de l'État, et puis pour le casser caisse l'État. Maintenant, l'indignation que cela soulevé, je ne jodi en dans la société haïtienne, non? N'est pas aussi prononcé, j'en ai supposé prononcer. Et me mettre un poste. Je te dis, journée aujourd'hui, tout le monde connaît qui est la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Administratif fait rapport libali. Maintenant, qui est-ce qui a courage, moral et détermination pour l'arrêter et pour le rendre peuple à justice par rapport avec corruption, niveau de corruption, ça. Pourquoi la corruption en Haïti, dans notre société haïtienne, est tolérée? Corruption est dans la société haïtienne noire. Les tolérer, c'est parce que, bien entendu, il y a ce qu'on appelle l'esprit de clan. L'esprit clanique lui représente un véritable obstacle. Je vais répéter. L'esprit clanique et l'esprit sectoriel. Ils représentent un véritable obstacle dans les deux sociétés haïtiennes pour le peuple haïtien jeune justice. Ce sont les clans contre la jeunesse, contre le peuple haïtien. Quand je dis les clans, c'est-à-dire les institutions politiques, économiques et sociales du pays, ils sont envahis par des clans. C'est la guerre des clans. Nek sa se klopam, monsieur se nek ki nan kam, mon cher même l'été point kobla, nous te manger la donne tout, mon cher m'a veye pour lui, m'a combat pour lui, m'a défendu. C'est-à-dire la notion de justice de notre pays, les finis ont affaire de clan. Qui est-ce qui lui doit en prison?
qui est-ce qui part en droit dans la prison, qui est-ce qui a protégé, qui est-ce qui n'a pas protégé. Et cette situation est devenue de plus en plus inquiétante, de la mesure où les clans qui montaient au pouvoir, nous allons faire en quelque sorte que la justice haïtienne est devenue un outil, un instrument de persécution politique, un outil pour être capable d'attaquer notre clan, pour neutraliser notre parti. Et ceci, il allait dans le sens, bien entendu, pour être capable de laver. Ça y aurait les clans pas maintenant. Et si je ne pas arriver à faire ça, je vais créer une perception pour créer confusion dans l'esprit peuple haïtien, dans l'opinion publique, à travers les différents médias traditionnels, pour encourager, bien entendu, confusion, ça rentre dans la société haïtienne. Écoutez bien, mes chers amis. En dedans, mes chers amis, nous avons un effort constant. Nous toujours dit, nous faites attention, nous ne sommes pas pressés, nous ne pas pressés, nous ne pas prêchés, nous ne pas marcher pressés. Nous n'avons pas assisté avec dérive en société haïtienne pendant ce temps que nous avons fait un travail de réflexion, d'analyse sur la société haïtienne. Maintenant, il y a des gens qui m'ont demandé pour qu'ils ne soient pas engagés directement dans la politique haïtienne. Pour quelle raison? Parce que le gros marché pressé. Engagement politique direct pour lui, c'est entrer dans un parti politique traditionnel, tant qu'on a un parti politique traditionnel, ça y est en Haïti. Normalement, il pensait que c'est pour la coucher nouvelle société. Ça. Et c'est un plus grand problème qui gagne parce qu'il y a une confusion dans l'esprit. Parce qu'il confond, bien entendu, parce qu'il ne comprend pas la société haïtienne, j'en ai actuellement là. Pour lui, la démocratie telle qu'elle est imposée par l'Occident dans notre pays, il pensait que c'est le processus qui a amené le pays à changer. Parce que, bien entendu, il faut chita pour me faire classe pour lui. Qui relève démocratie et développement économique. Si je chita pour me faire classe pour lui, pour me relève, pour comprendre ça, ça veut dire rapport qui existe entre démocratie libérale et développement économique, il n'y a pas de parler comme ça. Il n'y a pas de parler pour ça. Parce que dans toute société capitaliste occidentale, il faut comprendre que la démocratie a toujours été un outil entre les mains de ce qu'on appelle la classe économique. La démocratie telle qu'elle est conçue dans la pensée occidentale, c'est toujours un outil au service d'une classe qu'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie, notre type, notre incarnation, ça représente dans le système capitaliste, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle que en Haïti, on a parlé de démocratie en Haïti, c'est-à-dire, on a parlé de système, mode de gouvernance que nous avons en Haïti, que y a imposé nous, c'est-à-dire démocratie représentative, parti politique, on prend pour nous aller à l'élection, état de droit, on prend respecter droit moun, patati patata. Maintenant, nous accepter concept ça, ces notions à l'occidentalocentrique, un des pays d'Haïti, ça nous pas tenu compte des conditions matérielles qui pas préparées, qui pas réunies pour nous accepter. Pour que nous mettions Mounsaoundi dans le pays et adopter modèle de gouvernance. Maintenant, c'est, qui ça me dit pas là? Pays ça, on entend de parler de démocratie en Occident. Ce sont des pays, démocratie a son processus, son processus démocratique. C'est pas un bon matin, vous venez et puis vous mettez démocratie en dedans. Non, c'est l'histoire. C'est une démarche historique qui aboutit avec démocratie, comme un processus. Vous passez par une phase de télé d'apprentissage, vous commencez. Et bon matin, vous levez, vous accouchez démocratie. Ah! Mais maintenant, en Haïti, vous avez imposé nous comme modèle, meilleur modèle de gouvernance. Oui, sous papier, c'est ça. L'on lit Hobbes, l'on lit Locke, l'on lit Montesquieu, l'on lit Kelsen, l'on lit tout penseur et philosophe, tout penseur politique occidental, l'on lit monsieur ça, contrat social, l'on appétant des necks, ou après, bien entendu, d'après la pensée politique occidentale, ou après, bien entendu, c'est la meilleure mode. L'appli et Tocqueville, Alexis de Tocqueville. L'on lit necks, ou après, c'est belle bagaille démocratie. Aïe. Mais ce que ça nous pas comprendre, c'est que tout ça n'est que dit de démocratie. Aïe.
cette conception occidentale qui a banni de démocratie, telle que nous comprenons. C'est l'histoire d'une c'est un processus historique qui aboutit à elle. Ce sont des sociétés qui ont connu des moments de dictature. Ce sont des sociétés qui ont connu des monarchies. Ce sont des sociétés qui ont connu des impérialistes, des empereurs. Ce sont des sociétés qui ont connu, ça aurait été des régimes nazis, des régimes fascistes. Ce n'est pas des sociétés au bon matin qui lèvent et puis au doux, bon matin qu'on s'est et puis au accouché de démocratie, comme si son bagage qui sont en ciel et puis au accouché de démocratie. Ah! C'est une longue histoire qui a accouché de démocratie. Et au coup de cette fois, dans tout le bagage là, ce n'est pas le fait que vous gagnez la caillou démocratie comme modèle de gouvernance qui est important, non? Parce que vous connaissez bien, vous n'avez pas qu'à détacher démocratie de ce qu'on appelle modèle système économique qui gagne ou les capitalistes. Là. Parce que la démocratie occidentale telle qu'elle est conçue, elle a paru, bien entendu, dans son essence, avec l'avènement de la bourgeoisie capitaliste. Ok? La bourgeoisie capitaliste, que ce soit passé, le passé dans la société, tout modèle économique nous te gagne, mode de production capitaliste que nous te gagne, chaque accouché un modèle de gouvernance. Ok? Là, on commence dans le modèle de servage là, ou qui mode de gouvernance gagne. Modèle féodal là, qui mode de gouvernance c'était bail. Là, vient tomber dans le modèle bourgeois capitaliste, hein, puis accouché l'autre modèle de gouvernance. Maintenant, qui ça nous gagne en Haïti comme modèle économie. Voilà la question fondamentale. Maintenant, c'est ce rapport entre politique et économie qui est essentiel à notre compréhension de la réalité haïtienne que nous obligeons à poser comme élément fondamental. Maintenant, nous savons pertinemment que sur le plan culturel, nous sommes déjà aliénés dans une certaine mesure. Parce que la culture authentique haïtienne, elle est passée aujourd'hui de la réalité haïtienne comme une sous-culture. Une sous-culture dans le sens que c'est la culture occidentale qui est la culture prédominante de la réalité haïtienne. Alors que la culture qui relève bien entendu de notre identité, de notre racine, culture, ça, son culture jour et jour, que qui dominait. Par exemple, elle attendait qui musique jour et jour, je ne s'attendais. C'est musique française, c'est musique rap américain, c'est musique l'Occident. Pendant ce temps, musique samba, musique racine, musique qui a rapport avec notre histoire, ça nous y est en tant que peuple là. Nous rejetons, nous mettons là à côté. Nous rejetons, nous mettons là à côté. Ça, c'est le premier élément. Là, nous regardons comment nous manger. Nous regardons, nous gagnons la l'eau dans la Tibonite. Nous gagnons du riz, ce poids. Nous gagnons légumes. Nous gagnons pitimi. Nous gagnons manger ça en Haïti. Nous ne pas valoriser. Nous gagnons bel poisson rouge. Nous ne pas valoriser. Ça fait partie de notre patrimoine culturel. C'est ce que nous sommes. Tom-tom. Mais au coup de ça passé, non. C'est ça nous devons mettre dans l'assiette nous, pour nous manger. Vous comprenez? Manioc. Mais nous gagnons tchaka, bouillon. C'est ça nous devons gagner pour nous manger. Soupe, jioumou. C'est ça notre. C'est ça l'haïtien. Maintenant, je ne j'en dis, il apprend nous pour chiter à son table. Il n'y a pas l'eau de bonne manière. Les bonnes manières, là, on parle de lui-même, protocole, faut chita sur un tas pour apprendre qu'il y a des fouchettes, pour apprendre qu'il y a des couteaux pour manger, pour apprendre qu'il y a des bagages, serviettes pour développer. Mais la question fondamentale, est-ce que ça a vraiment reflété ce que nous sommes? Est-ce que ça a vraiment reflété ça nous y est en tant qu'Haïtiens? N'est-ce que la chita prend un couteau? Non, si moi je vais en Occident, par respect pour l'Occident, puisque je l'accueille l'Occident, dans un restaurant occident. C'est normal, je viens chita, je chita pour manger. Bien entendu, je prends un cuillère, je prends une fourchette, je vais apprendre à manger. Mais si je suis dans ma réalité haïtienne, je ne vais pas prendre la culture occidentale, manière de faire de l'Occident, pour m'entrer dans la caille, pour m'imposer petitement pour manger à fourchette à couteau. Pour m'imposer petitement pour me dire comment on doit manger, mais comment on doit manger. Qui côté ça sorti? C'est ça l'esprit critique. Nous juste entrer, nous démarche. Pendant ce temps, nous avons aliéné, nous avons détruit notre culture, nous s'ennuyer en tant que peuple. Maintenant, pour me prendre entre pifons, qu'est-ce que nous avons? Qui ça nous gagne qui était pour nous?
ça vous fait arriver dans le pays d'Haïti? Comment nous fait arriver dans le niveau d'aliénation ça? C'est parce que l'élite sociale du pays, nos intellectuels, l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique, yo marre contre nos bricots avec l'Occident. Mais yo dynamique pour qu'aimer le peuple haïtien de son africanisme, de ses valeurs africaines, pour yo détruire par rapport à l'Occident. Écoutez bien, ce que je veux dire par là, mes chers amis, c'est que nous avons deux forces qui bataillent dans le pays d'Haïti. Et ceci depuis la prise de notre indépendance. C'est une vision africanisme engagée bien entendu par Dessalines à travers l'idéologie dessalinienne qui épousait le créole, qui épousait le vaudou, qui épousait manger nous, samba nous, qui épousait racine africanisme nous, avec bien entendu les mulats de notre côté, qui choisit bien entendu pour appuyer bon côté papa yo, qui c'est les Européens. Non, qui sens me dit ça? La culture européenne, la manière de penser des Européens, la manière de faire des Européens. C'est-à-dire, à partir de 1806, il fallait faire un choix. Et Pétion l'a compris. Rigaud l'a compris. Boyer l'a compris. Et ce choix consisterait, est-ce que nous avons choisi maman nous, ou bien nous avons choisi papa nous? Et c'était toute la réalité qui va déterminer notre existence en tant que peuple haïtien. Lorsque Dessalines a choisi maman, en tant qu'esclave, il choisit la mer. Je ne vais pas parler du point de vue géographique, je ne vais pas parler d'un point de vue mystique et métaphysique, je vais parler de la mer. C'est-à-dire qu'il choisit l'Afrique, géographiquement. Il dit, je choisis l'Afrique, je choisis noir là, je choisis Samière, je choisis l'esclavage. Je choisis l'esclavage, pas dans le sens pour accepter l'esclavage, mais je choisis le fait que je te mette dans l'esclavage. Et c'est parce que je suis conscient que je te mettais dans l'esclavage, c'est à partir de ce cadre référentiel que je vais définir tellement par rapport à l'Occident. Maintenant, je rejette l'Occident. Moi, j'étais l'Occident, pas parce que l'Occident, en tant que tel, moi, son mauvais bagage. Non, moi, j'étais l'Occident par rapport à faire ça, l'Occident fait. L'Occident, c'est une bonne chose pour les Occidentaux. Mais l'Occident ne peut en aucun cas une bonne chose pour moi-même qui sont d'origine africaine. Parce que mon africanisme en tant que tel, c'est ça qui fait m'exister. Et c'est ça t'expliquer bien entendu, quel que soit j'en bataille pour m'entréhender dans le monde occidental là, à un moment donné, il y a toujours utilisé des outils pour y remind moi qui est-ce meilleur qui côté me sortir. Parce que ma derrière entrer dans bagaille qui pas naturellement pas pour moi. Eh bien écoutez, il fallait que vous fassiez un choix. Et ce choix, bien entendu, pour vous faire, il faut vous stopper la mouvance africaniste que Dessalines a épousée pour l'accoucher dans la société haïtienne. Et bien, cette mouvance, cette dynamique qui te bat nous indépendance pour nous accoucher, en seule façon pour vous camper, c'est tuer un POL. Et bien, ils l'ont assassiné. Faites attention, vous n'avez pas assassiné Dessalines seulement. Ils ont assassiné une certaine vision d'Haïti. Ils ont assassiné une certaine compréhension de notre identité. Ils ont assassiné le zoé politique de la révolution haïtienne. Ils ont assassiné, bien entendu, l'incarnation même de la pensée mystique de notre histoire en tant que peuple noir libre et indépendant. Eh bien, ce crime odieux que les mulats ont commis, dans connivence, bien entendu, avec l'Occident. Ils n'ont pas fait dans l'intérêt peuple avec jeunesse haïtienne. Non. Ils ont fait, bien entendu, pour être capable d'asseoir une certaine domination culturelle d'abord. J'ai bien dit culturelle parce que la réalité économique d'Haïti, à l'époque, les nous sortis à la sortie de notre indépendance, puisque terre a été brûlée, nous n'avons pas de capacité économique, bien entendu, pour nous répondre avec des hydratants. Et bien entendu, mes chers amis, ils se sont retournés vers l'oppresseur. Ils font alliance avec l'oppresseur contre les oppressés qui ont obtenu leur indépendance au prix du sang. Et le crime odieux
que Boye pas le fait. Et tout simple instiguer d'abord. Et Petio pas l'instiguer d'abord. C'est lorsque Petio écrit à Charles X pour demander Charles X la reconnaissance de l'État, de la République, de l'Ouest, à condition que la paye pour tes torts qui te fait là, aux Français, aux colons. Eh bien, cette quête de reconnaissance n'est pas pour aboutissement, ni bien entendu, avec Boye. Il faut comprendre que, mes chers amis, si nous ne comprenons pas la dynamique, ça, nous avons toujours marché derrière les leaders en dedans pays d'Haïti. Nous avons toujours été vivre et nous avons toujours été à bas. Pendant ce temps, le système n'a pas été là. Le mode de gouvernance n'a pas été là. Nous avons toujours opprimé. N'a toujours gen grand goût. N'a toujours gen moun ki pa ka manger. N'a toujours gen petit ti moun ki pa ka l'école. N'a toujours gen moun ki pa jwenn l'hôpital pou prendre soin. Pendant ce temps, toujours gen minorité. A toujours gen minorité intellectuelle. A toujours gen minorité bourgeoise. A toujours gen minorité économique et politique kap jwenn de tous les privilèges que société et système pèse sous ses sabayes au détriment bien entendu du peuple haïtien et de la jeunesse haïtienne. Maintenant, situation, ça pourrait poser un bagaille. Côté qu'on paquet de jeunes garçons, jeunes femmes, pourrait besoin bénéficier de salaire, regardez comme une élite sociale a bien mené. Ou même qui n'a classe moi, qui n'a classe pauvre là, qui sont une tête green. Ou ouais, comment un groupe moun a mené, une minorité a mené, ou bien deux choix. C'est soit on engage auprès de peuple ou n'a pas tête green, nous, pareil ou pour bataille, pour changer conditions globales. Ou bien ou bon comportement sauvetage individuel. Sauvetage individuel dans le sens que ou pense au pied intelligent. Ou dit bon, ou qu'on s'est passé? Mou pral liche deye intellectuel yo. Mou pral liche deye bourgeoisie haïtienne nan. Mou pral liche deye classe politique lan. Peut-être pas sous son mante. C'est-à-dire, ou pral animé par un déshydrata personnel, individuel, qui pou faire sortir dans la situation yia. C'est-à-dire, conception par les plus loin. Que mes yeux, ce qui est compréhensible. Parce que bien entendu, ou pas au niveau pour ça. Yo mettons en condition pour réfléchir comme ça. Parce que modèle de réflexion, ça, yo conditionnel. C'est le système en soi qui est conditionnel. On va prendre nous coupables pour ça. Parce que ouais, faut soucier, faut manger, on mente. Maintenant, on prêt pour faire n'importe quoi pour jeûner. Maintenant, yo parle très tôt de monde qui n'a pas de colonne vertébrale. Yo parle très tôt de monde qui n'a pas de caractère. Yo parle très tôt de monde qui n'a pas de personnalité. Yo parle tout de petits vicieux. Pendant ce temps, on va chercher adhésion, approbation, bourgeoisie haïtienne, les mulattes, les syro-libanais. On va chercher adhésion, classe politique traditionnelle là, pour satisfaire des illégataires ou pour montrer que c'est un plus bon militant. Pendant ce temps, on va chercher adhésion et approbation, bien entendu, classe intellectuelle là, pour montrer que vous comprenez mieux. Non, ça y a dit parce que vous avez un diplôme, vous avez ceci, vous avez cela. Mais cependant, on ne peut pas prendre recul pour comprendre que c'est même vous-même encore qui mettez dans la situation que vous avez. Parce que vous ne pouvez pas qu'on est. Si c'est eux qui mettent dans la situation qu'on doit y avoir. C'est-à-dire que c'est l'irresponsabilité de leur responsabilité qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons compris au niveau de BBJ 109. Et c'est ça qui anime nous aujourd'hui. Nous conscients de la réalité haïtienne. Faites attention. Au niveau de BBJ 109, nous pas n'importe qui. Et me dit ça clair. Tandis qu'il y a qui dit qu'il y a un doctorat. Nous avons des gens qui étudient à l'Occident, des doctorats, des masters, des diplômes. Nous avons des potes, des défis qui disent des doctorats pour venir en face. Nous avons des post-doctorats. Et puis, nous mettons à nu devant la réalité haïtienne. Ce n'est pas de l'arrogance. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne parle pas d'une échelle de compréhension. Mais pas de l'arrogance. Je parle d'une échelle de compréhension. Une échelle de compréhension dans la mesure que l'ensemble de épistémés que l'Occident fouille dans la tête ou de façon formelle, c'est où l'éducation formelle, qui vient tout dans le cadre référentiel pour vous qui avez un doctorat, qui avez un PhD, pour vous qui avez ça où il y a un master. C'est à travers gris ça qu'on comprend la réalité haïtienne. Je vais déconstruire dans ma vie. Et c'est ça qui fait un bon défi.
Parce que m'a déconstruit dans maillot. Moi aussi, j'ai reçu une éducation formelle en Occident. Cependant, il prend 10 ans pour me décoloniser pour peut-être pas. J'ai bien dit 10 ans. 10 ans pour me décoloniser pour peut-être pas par rapport avec l'éducation formelle que je recevoir dans l'Occident. Cette manière de penser. Il m'a appris 10 ans. 10 ans. Et pour me faire travail de déconstruction ça dans mal moi, m'étais obligé exposer tête moi à d'autres valeurs, à d'autres compréhensions, à une autre forme de lecture, à une autre vision des choses. Il n'est pas aussi évident pour moi, pas aussi facile pour me arriver dans la dimension ça. Et c'est ça t'expliquer, je dis, cette capacité pour me faire des pour me prendre recul par rapport à la compréhension de réalité sociopolitique économique haïtienne. Et c'est ça te fait me dire. Faites très attention. L'État haïtien, l'État qui montait en 1806, il n'est pas monté dans l'intérêt pour le servir, bien entendu, le peuple haïtien. Elle fait histoire, elle fait cours géopolitique là pour nous faire toute l'histoire dans une conception géopolitique comme méthode pour nous faire comprendre cet esprit qui est Haïti. Je ne vous dis là. Pas aussi évident. Nous avons une dynamique pour me mettre en question doctorat. Attention. Montrez une dynamique pour me mettre en question la qualité de l'éducation que vous avez reçue dans les universités occidentales. Il faut comprendre que toutes les universités occidentales, ce sont des appareils idéologiques conçus de façon à promouvoir une certaine vision de l'Occident. T'aimes dire non, tu bagailles bien. Une idée pas tombée dans le ciel. Une idée, c'est une construction de l'esprit humain. Un concept, c'est une construction de l'esprit humain. Et là, pour servir en réalité. Et ça, pour servir en purpose. Il est là pour l'orienter. Faites attention. Maintenant, ce qu'il faut poser comme problématique, comment cette idée est venue à l'existence? Quelles sont les conditions socio-économiques, culturelles dans lesquelles cette idée a pu émerger? C'est ça que fait. Je m'attendais, on sait des gens qui disent intellectuel en Haïti, je prends temps pour me chiter pour me rire. Je m'attendais des gens et puis je m'abris. Je me rire. Parce que les gens venus en Haïti, ils parlent de démocratie. Les gens venus en Haïti, ils parlent de séparation des trois pouvoirs. Les gens venus en Haïti, ils parlent de institutions. Les gens venus en Haïti, ils parlent de processus électoral. Les gens venus en Haïti, la parole de renouvellement du personnel politique. Tenez-moi, renouvellement du personnel politique. Les gens venus en Haïti, la parole de parti politique, multipartisme, la parole de démocratie représentative. Maintenant, ces notions et ces concepts, ou même qui ne peuvent jamais exposer, qui ne peuvent jamais passer dans l'université occidentale, ou même qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit, ou même seulement qui fait ça les sciences économiques, ou bien qui fait droit en Haïti, ou même qui passe en dedans, il n'a pas autant de nègres à radoter dans Figimou avec ces concepts, ou étonné. Ou étonné, ou trouvez ça, c'est gros causé. Et gros causé. Ou impressionné. Écoutez, les idées et les concepts, ce sont aussi des produits. Marchands, on les vend. Ils vendent nous les idées et les concepts. Les théories, on les vend. Ce sont aussi des produits. Comme yon patate, yon diri, yon poire, yon poule qu'on produit pour vendre. C'est un produit lié. Ils vendent nous. Et qu'on marche côté, ils vendent nous. Ils ont une université.
Là, l'université, c'est vendre devant nous. On produit. Produit, ça y est, les connaissances. Maintenant, il y a connaissances, des valeurs. Il y a des différences pour nous. Des connaissances, des valeurs. Pas des connaissances, non, dimension épistémologique. Nous parlons de connaissances objectives. Séparer net définitivement connaissance et valeur. Pour la simple bonne raison. Chaque connaissance, que ce soit caractérisée par son degré d'objectivité, il y a une dimension axionomique. C'est-à-dire que, il y a un principe axiologique qui guide. Par exemple, le soulever la problématique par rapport à la valeur de cette connaissance. Là où porte un jugement de valeur sur connaissance-là. C'est-à-dire son utilité, son sens pour la réalité haïtienne. Et c'est tout le problème qui se pose. Qui fait nous pas qu'à résoudre le problème. Réalité, pays d'Haïti. C'est-à-dire, nous refusons de poser les vraies questions. Nager en surface. Et c'est cette hypocrisie formelle de la société haïtienne que nous acceptons entre tête nous là-dedans, qui a expliqué la souffrance que nous avons endurée la journée aujourd'hui à peuple haïtien, à jeunesse haïtienne. Le jour que nous ne pouvons pas prendre honnête à tête nous, sincère avec tête nous, vous comprenez ça fait mal? Je vois des hommes et des femmes en Haïti qui a plus que 60 ans, n'est la paix pour opposition. Il a plus que 60 ans. Il est prêt à mourir, il perd pour opposition, il perd tout courage. Il est plus près de la mort que la vie. Mais il n'a pas de courage moral. Il est tellement effrité, il est tellement substance, il est vidé, il est tellement nommé, perdu. Il n'a pas de courage encore pour dire non. C'est assez. Maintenant, la jeunesse haïtienne n'a pas qu'à tourner vers ses mécréants. Elle n'a pas qu'à tourner vers ses hommes. Parce que la jeunesse haïtienne n'a pas gardé Nexa qui a 60 ans, 70 ans. Même jeunesse haïtienne n'a demandé, mais qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Ces vieux rats de la politique. Ces sous-hommes de la politique. Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Qu'est-ce que les duvalieristes nous ont légué? Qu'est-ce que les lavalassiens nous ont légué? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui les PHDK nous lègueront. Vous savez, ce n'est pas aussi évident pour gagner courage. On va parler de valeur, nos dimensions métaphysiques. Parce que ce soit les religions, cette dimension ontogénie, religion, philosophe, idéologie philosophique. Toute dimension métaphysique, ça, est construit de façon à répondre à une réalité existentielle que l'homme toujours confronté. Anxiété. C'est-à-dire, les problèmes d'ordre existentiel. Ils ont cherché sens à leur existence. Waraïm, c'est un choix. Respectez ça. Ou quand il y a un problème avec, c'est un choix. Respectez ça. Et faites très attention. Pour qu'on ait qui l'esprit qui en face. Il y a un problème avec qui que ce soit. Dans un élan fanatique, ou qui doit exprimer mes contentements par rapport à ma prise de position. Et si m'ajouter telle ou telle posture, m'adopter tel ou tel posture parce que je ne compte pour quelle raison m'adopter. C'est une stratégie pour m'accoucher en finalité. Voyons de plus près ce que je dis. Il y a un pile monde qui prend des reculs par rapport à la prise de position, surtout, il m'a parlé de bêtises. Il m'a dit bêtises. Je sentis estomaqué. Surtout lorsque bêtises orientées vers une certaine personnalité,
certaines personnalités politiques ou personnes publiques, personnages publics. Maintenant, il faut comprendre que l'indignation, que mes injures, capable de coucher la Kamounsa, sont bagailles qui estomaquent toute essence. Mais ce qu'il faut constater, ce n'est pas la bêtise en soi qui pose problème ni les injures. Parce que c'est un produit, c'est une production sociale. C'est la société même dans son hypocrisie qui a produit ces bêtises, ces injures, que le qualifier de mauvais. Les films produits sociaux, bêtises, les produits guette maman, les produits coco maman, les produits bousin, les produits senti caca, les produits jolbokier, les produits toutes bêtises qu'on tende ou toujours tende dans les oreilles. Et pas où fait yo, c'est la société qui fait yo. Et la société fin fait yo en tant que telle et puis l'impose yo dans la réalité sociale. Elle fin impose yo dans la réalité sociale et puis l'interdit pour user, pour faire usage de yo. Les fin produit et puis il dit non, pas doit utiliser. Faites attention. La vie ne doit pas utiliser, c'est-à-dire son façon pour le garder dans qui degré ou à conformer l'esprit. C'est une forme de contrôle social. C'est une forme de contrôle social pour les gens qui ne comprennent pas. Société a produit bêtises, injures, guette maman, coco senti, jol bobot, bouddha crabe, coco vert, coco ceci, zozo crabe, tout bêtises ça le produit. Et fin produit yo, li régulé communication. Li régulé communication. Parce que le connaît, bêtise n'a bon rôle li joué. Bêtise n'a bon rôle régulateur que lui en est dans la société. Y a des fois où on est capable de passer à la violence. Puisque li pa gen moyen pour le passer à la violence, pour éviter passer à la violence, li di yon bêtise pour exprimer frustration. C'est-à-dire, bêtise nan vin tourner yon canal, yon mode d'expression de yon frustration. Et c'est ça t'explique bêtise là, lorsque les militants, les manifestants yon prennent la rue, ou tande yap di, get maman Jovenel Moïse, nan manifestation, kol get maman Jovenel Moïse. Coco maman Jovenel Moïse. La raison pour laquelle? Parce que c'est un outil de frustration. Pour un outil de communication. L'exprimer une forme de frustration. Nous avons importance violence. Là. Nous avons importance bêtise. Là. Jouer. Maintenant, regardez bien. Si bêtise ça, c'est un usage social. Là. Et une instrumentalisation qui fait là-dedans comme phénomène politique. Tu te prends bêtise ça, ou te substitue avec mode de violence que le peuple a, non, l'elle fâché pour le faire. Tu prends bêtise là, ou utilise le de façon consciente. Au lieu de jouer, au lieu de mettre diversion au monde ou bouler, tout le monde qui doit prendre mon ça ou dire, inquiète maman, je le senti, mais mon n'a pas pris d'envie. C'est vrai qu'on t'a joué mon nom. C'est vrai qu'on t'a joué mon nom. Mais mon nom t'a pris d'envie. C'est-à-dire que, un problème fondamental qui posait la question de valeur dans la société haïtienne. N'est-ce pas dit ou pigot dit bêtise? Pendant ce temps, chita l'a gardé, il y a un niveau de cannibalisme et de barbarie qui existe dans la société haïtienne. Côté yon groupe moun, pour yon moun, yon haïtien, pour quel que soit crime ni ta fait, yon pren ni, yon met un caoutchouc sous li, yon fout 10 fè sous li. Imagine un instant, te dit moun sa, ou joue le bien joue, ou dit pile bêtise, et pour remettre li by la police, by la justice. At least, ça t'a pas le montre qu'on bagay. Gen yon valeur suprême qu'on respecte qui c'est la vie. C'est-à-dire qu'on valeur, qu'on respecte. Vous préférez dire bêtises, jouer mon nom. Mais à un moment donné, vous valorisez la vie mon nom. Nous pouvons arriver dans le niveau ça. Parce que nous sommes encore au niveau cannibale. Dans notre sauvageté, nous pouvons arriver là.
Et c'est dimension hypocrite ça en dans la société haïtienne là. Qui va l'expliquer dérive ça. Faites très attention. Société haïtienne ça, la façon que lié la fonctionne à je dis à là. C'est bon bagage qui sorti dans ciel. C'est une société conçue et voulue. Les nègres la monté sur radio télévision. Là le parle. M'a un exemple pour nous hier. Dans le moment de vérité que Peggy, journaliste Peggy, fait hier samedi matin, m'a regardé le comportement Claude Joseph, ministre des Affaires étrangères. De même, ça m'a dit nous là. Tu es sous panel là, Dr. Louis Dor, Stephen Benoit, sénat, et ses partenaires. Vous avez quatre comme ça sur le panel là. Vous avez parlé de comment le président de la République, là, Jovenel Moïse, a subi une humiliation dans le domaine de l'Elta de Saint-Domingue par rapport avec Mac Pompeo. Vous avez dit ça, je vais vous montrer comment les contraintes sociales imposées pour entrer dans le formalisme social et comment les victimes de formalisme social, leur pas conscient, même leur doctorat dans main. Ou victime de conformisme social, ou victime de contraintes sociales, parce que normalement, ou sont aliénés, ou sont colonisés au niveau des esprits. Et c'est ça qui arrive Claude Joseph. Monsieur Relé, pour lui défendre position, président, par rapport à l'humiliation. Je quitte monsieur abordé, abondé. Et puis, Docteur Louis Dor, un bon stratège, ancien rat dans la politique. Monsieur abordé ministre, lui font y passer par rapport à ministre. Non, il dit monsieur son nez comme si qui était dans bagarre avec Gariboudo, mais comment monsieur arrivé, c'est même nèg Gariboudo yo. On prend Gariboudo était dans groupe nèg qui était campé en face Aristide avec monsieur. On prend petit Claude. C'est nèg qui était allé battre personne juste soit devait pa avec bat avec on serviette qui était gain roche là dedans. Maintenant ça le fait là, ils font travail, ils accusent monsieur. D'abord ils acculent monsieur. Elle a dit la bat pour mener monsieur sur terrain ça pour le piéger. Elle a dit que les on peuple attendre que petit Claude l'identifier petit Claude pour peuple là. Petit Claude qui ministre une jour dit à son ancien nèg qui vraiment violent mais ça le fait mettre responsable. Elle a dit yo associé un crime avec monsieur. Ça veut dire son rat, bon rat politique, là, il connaît ça l'affaire. Et puis, il dit, mais écoutez, quand même, je n'ai aucun respect pour ce gars. On est qui dit, il y a un doctorat qui fait grandes études. Et puis, qu'on y a pour laisser, pour la faire, attendez, oui, service, servile. C'est-à-dire, pour le tourner esclave, rester avec PhD là, avec doctorat là de Jovenel Moïse, que le connaît qui sont groupe gang, mafia, qui casse test l'État, l'argent l'État. Elle me dit, ça monsieur fait là, en tant qu'on est un bon stratège en communication, les questionner crédibilité. Si Claude Poul vient parler sous question compétence doctorale, il dit non, faites attention. Lui doit dire non, pas venir évoquer question doctorat là, docteur Claude, c'est bullshit. Il dit premièrement, mais qui type d'homme nèg la? Deuxièmement, il dit, yon nèg qui a un doctorat pas arrivé dans le niveau pour la rester avec pour être servi. Et puis il dit que ça a marché dans tout, comment il s'appelle, dans toute ambassade, a drivé ce job ça, Jovenel fait, vous voyez, il fait. Ça veut dire, il a joué avec personnalité, intégrité morale, monsieur. Bon, anyway, le type, en quelque sorte, il va avoir une personnalité encore. Parce que c'est ça expliqué qui fait. Docteur Louis Ludor a humilié monsieur en plein public devant la société. N'est-ce que tellement intelligent, il traite monsieur d'un petit.
Yo demande qui l'âge monsieur gagne. Il y a qui dit monsieur a 40 ans. Ou on prend monsieur, pourquoi monsieur gagne 43 ans? Pour qui raison vous faites référence avec l'âge monsieur? Panel là. Et donc ce sont des rats politiques. Ce sont des rats qui gagnent. Ce sont des vices de l'esprit. Ma montre nous nature classe politique traditionnelle là. Des vices de l'esprit. Yo gagne dans l'esprit. C'est-à-dire comment nous faisons fait politique en Haïti. Yo connais monsieur gagne compétences. Yo reconnaît ça. Yo connais monsieur son docteur. Il a un PhD d'après l'Occident. Yo connaît ça. Et yo perd doctorat parce que yo pas de doctorat dans le monde d'ailleurs même. Mais cependant, vous pouvez jouer, vous pouvez chercher quelques points faibles pour vous attaquer ministre, vous attaquer personnalité, hein? Vous attaquer job l'affaire, qui sont job sale, pour vous remettre en question personnalité, caractère. Et troisième bagage, vous attaquer l'âge. Vous avez dit, son petit monde en politique. Ah, son petit monde, un petit bagage. Et puis, vous avez parlé de vice, vous avez conseil. Mon cher, vous connaissez. Politique, quand il n'y a pas comme ça, fait ton petit job, mon cher, ou son jeune garçon, moi, on a pile l'avenir. C'est comme ça qu'on fait. Ce sont les vieux rats de la politique en Haïti, classe politique traditionnelle, là, c'est comme ça qu'on traite. Là, ils perdent. Ils traitent de ah, petit monde, mon cher. Mon cher, on connaît. Monsieur, il n'y a pas pour comprendre. C'est pour comprendre la dynamique, ça. Modèle de discours, ça. Ce modèle de discours, il dit jeune garçon, campé ou pas, ou pas prêt pour politique. Il fait référence à l'âge. Mais pendant ce temps, il fait référence à l'âge. Il connaît Gary Boudou en politique comme jeune garçon. Gary Boudou bâti en pile, lui, en politique. Même les m'a à l'aise à Gary Boudou, mais il connaît Gary Boudou en jeune garçon bon en politique. Il connaît un égézé et militaire pour bon en politique. Même t'as pas garanti pour une campagne en face. Il connaît ma démonté au green par green, vira politique ça. Parce que je connais les manœuvres, mes dames, je toujours faire. Je les connais, mais étudier profil psychologique, classe politique traditionnelle. Je connais Ruiz. Je suis là, je suis là. Parce que ce sont des vieux rats. Et je suis là, vieux rats de la politique. C'est certain, depuis où on est étudié en Occident. Depuis où on est un diplôme en Occident, parce que c'est Occident qui bosse. Yo y a peur, nègre là. Yo peur. Parce que tout connaît que c'est l'Occident qui bosse. C'est-à-dire que. Il y a un problème, si Claude te gagne. Monsieur, vous mettez monsieur dans la position pour le pas chita sous compétence, c'est-à-dire connaissance que le gagne avec diplôme nan, pour l'intervenir. Yo coincel. Yo attaqué personnalité. Parce que yo connaît monsieur van personnalité. Et c'est certainement d'où un politique en Haïti ou besoin de gros bagailles pour gagner en politique en Haïti, pour faire politique en Haïti. Ou besoin personnalité, autorité, intact, caractère, dignité. Ou. De quoi pour parler avec autorité. Pour leur parler, pour faire nek en face, ou comprendre qui est-ce qui est en face. Il prend en face n'importe ti vagabond. Pour le qui est-ce, pour leur garder nek, pour garder au danger. Et deuxième bagage, ou besoin connaissance. Là, je parle de connaissance, je parle de connaissance telle que je fouille connaissance dans le brin ou non. Tant qu'on est esclave colonisé, non. Je parle de connaissance, c'est-à-dire deux types de connaissances. Je parle de connaissance objective, c'est-à-dire connaissance scientifique, c'est l'épistémologie. Et puis je parle de connaissance axiologique. Je parle de connaissance des valeurs morales et spirituelles qui forment de la dimension globale et totale où vient tourner un homme complet, qui est solide. Et c'est ça que fait le ministre Vini, la vie du conformisme. Ministre la vie, je conformise, parle douce. Au moins, même c'est monde qui respecte les gens. They don't give a fuck about you. Ou respecte les gens. They don't care. Y a pointé du doigt, job sale à faire après. Partisan, y a pas care. C'est la société haïtienne, mon frère. Ou en face des rats politiques. Mais c'est un compte politique bien. Ou pas qu'à venir paraître. Ou à venir faire un discours bien douce. Ou à venir vendre campagne politique. Ou à venir vendre question discours qui a rapport avec faire élection. Jovenel Moïse, non? Ou pas être devant. Va parler au penser que nèg yo même yo pour utiliser tous outils traditionnels non fait politique pour utiliser les gens. Et puis yo ferme jour le ministre paraît laide pour quelle raison parce qu'elle pas de personnalité ni caractère. Imaginez un instant que le ministre Claude choisirait le ministre nèg la dit même la moelle au ministre
Steven Menon a dit, moi, le ministre, mais comme on est son ministre de facto, mais par respect, peut-être pour même quitter professeur, on prend une connectiquette, c'est, ou on a des professeurs connectiquette. Et puis, du coup, ça veut dire, n'est-ce même dans la classe politique, là, il y a toujours pantant pour l'Occident. Que professeur connectiquette, ça veut dire, ou une classe politique traditionnelle. Il y a des sous-hommes, sans caractère, qui a fait éloge pour. Université connectique. Ça veut dire, pendant ce temps, réalité haïtienne, et puis c'est nex ça, les gens te concevoir l'Occident comme tout gros bagay qui te kage, puis belle bagay qui te pendant ce temps, la palo, c'est lui qui a fait politique pour vous, on est dans le pays où, c'est lui qui a décidé pour vous. Nèg la gete mentalement, li a genou devant l'Occident, li a genou devant l'université occidentale, li pas même qu'à questionner. Et puis c'est nex ça qui est sénateur, c'est le député, c'est le ministre. Pour vous, qui sont pensés le bras ou de plus? Les qui sont à genoux devant l'Occident, qui sont pensés? Les qui sont à mettre, qui sont pensés le cas offrir ou de plus? Ça veut dire que vous trouvez une situation. Faites attention. Vous trouvez une situation quand on a une société. Que classe politique a dominé la reine politique en Haïti. Classe politique traditionnelle, ça. C'est une principale responsable des rives ou dans la société haïtienne. Raison. Il y a des gens qui trouvent aussi virulent vis-à-vis de ces hommes. Sur l'échelle de valeur, il y a un petit groupe gang, mafia, priorité sous pays. Non, mon pays reste mon pays. L'intérêt commun reste l'intérêt commun. Il y a un petit classe, mesdames, gangsters, vieux rat la politique. Des sous-hommes, sans caractère, sans personnalité, sans dignité. Depuis ces blancs qui parlent au marché tête à tête devant blanc. Et je dis ça, c'est pas seulement pour l'opposition, pour pouvoir, non. Mais attention, par rapport avec l'Occident, par rapport avec corps groupe, par rapport avec l'ambassade américaine, nous avons pensé que c'est seulement pouvoir, Jovenel Moïse, PHTK, Caprice, voilà l'homme. Non, mais l'Occident. Faites attention. Et l'opposition. Et l'opposition haïtienne. Vous pensez que ce sont des hommes comme ceux qui ont dignité, qui ont caractère, qui ont dit blanc, non? Mais frère, faites attention. Pas bien, c'était une illusion. Pas bien, c'était une illusion. Demain, c'est que nous sommes dit nous pas là. Nous connaissons si un coup d'État qui fait. Si Maduro prend un coup d'État, nous connaissons l'Occident pas applaudi un coup d'État. En vérité, Dieu, c'est un coup d'État qui fait dans au Venezuela, l'Occident est content. L'Occident bat bravo et il reconnaît le nouveau régime notre moderne. Si un coup d'État fait en Corée du Nord, nous pensons que l'Occident est content, il est content. Il apprécie le nouveau régime notre fait. Si un coup d'État fait en Iran, l'Occident est content. Il est content, le nouveau régime. Pendant ce temps, il a condamné le coup d'État tout partout dans la planète. Là. Il n'y a pas le coup d'État tout partout côté au passé. C'est démocratie. Mais si on peut utiliser coup d'État pour voir on est pas rien mais aller, il n'y a pas de problème, non? C'est même l'Occident, ça te bat Aristide coup d'État qui était élu démocratiquement en 1991, qui t'a posé démocratie et puis fout Aristide dans coup d'État encore. Non, connivence avec bourgeoisie haïtienne. Non? C'est même ça qui encore qui bat Aristide coup d'État en 2004, non, connivence avec. Bourgeoisie haïtienne avec militaire. Oui. Et pourquoi ça vous fait le fin beaucoup d'État? Vous avez utilisé pour beaucoup d'État, vous prenez, vous mettez en prison pour vous montrer que vous êtes against coup d'État. C'est le jeu. C'est un jeu. Depuis le problème, vous débarrassez de problème. Vous n'avez pas de problème avec ça. Mais je vous dis là, mes chers amis.
Non, c'est classe politique traditionnelle, ça. Opposition bourgeoise, opposition avec les qui sous pouvoir. Yo tout, entre yo pas bon sel met, yo se voit l'autre yon sel côté. Et c'est ça d'explique le peuple là, kakali là. Ka fwa toujours krasé brisé, parce que yo pas permet tout. C'est yo obstacle là, yo pas permet tout connaître les vrais problèmes du pays. Ce sont les principaux obstacles qui empêchent nous arriver côté nous doit supposer nouvelle société ça. Faut identifier au clair. Ces hommes. Elle m'a donné plus courage pour faire. Parce que c'est plus facile pour marcher dans l'aide, pour dire vivre, que grand courage pour camper en face, pour dire qui programme politique ou gagne. C'est plus facile, oui, pour un jeune garçon camper en Haïti à cause de grands goûts, de misères, de souffrances, pour dire vivre en aide dans la classe politique. Tant il y a courage pour le camper devant, ni dit ou même qui tous ces candidats, qui alternative, qui programme, qui projet ou gagne. D'être dans la classe, d'être dans la politique, qui sont accouchés du sérieux. Il n'y a pas de courage moral, ça. Jeunesse haïtienne n'a pas de courage moral, ça. Il est plus prêt. Pour vous voir si vous avez un petit job, parce que l'État, c'est seul employé qui gagne. Plus qui employe, plus vous dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui a couru des X, Y dans la classe politique, c'est un petit job. Ce n'est pas condition de vie qui peut changer. Non. Ce n'est pas condition de la population haïtienne qui peut changer. Non. Même si elle a été faite pour Aristide, même si elle a été faite encore, elle a toujours continué de faire. Un problème haïtien tellement profond, nous choisissons dans BBJ 109 pour nous pas approcher le problème ça de façon légère. A vraiment ok que pendant ma parole à voilà la grand coup d'état qui baille au Mali, oui, la même malienne fout un coup d'état. Nous n'avons plus le nez de l'Occident, pas d'accord, coup d'état fait. La même manière, il faut un coup d'état. Non seulement il faut un coup d'état, la communauté internationale est montée sur les créneaux pour condamner le coup d'état. Maintenant, il a réfléchi sur qui mesure il va le prendre. Est-ce qu'il y a un bagou? Est-ce qu'il va le bagage contre un nègre à démissionner ou bien faire élection? Whatever the fuck it is. Mais il y a des points de faire comprendre que c'est un bagage qui est impossible. Qui est-ce qui te dit que l'impossible? Depuis Blanc dit l'impossible est impossible. Depuis qu'il est. Nous tellement arrivés dans le niveau esclave. Depuis maintenant nous dit l'impossible et puis automatiquement l'impossible. Comme si son l'évangile ou dit oui, amen. Nous tellement venons des sous-hommes, des hommes sans caractère, des hommes sans personnalité qui prennent décision pour nous. Depuis Blanc dit, depuis Blanc est stené, il a dit excuse me. Excusez-moi. Mais les cap dirigé le pays. Et puis c'est avec ça que vous voulez mal identifier. Et c'est avec ça que vous avez des problèmes avec nous. À cause de ça, vous avez des problèmes avec prise de position. Ou raïm. Quand vous avez pour épingler moi, pour qu'apparaît pour mon de bien, vous dit trop de bêtises. Vraiment? Oh, vous dit trop de bêtises. Parce que vous dit trop de bêtises dans live. Pendant ce temps, vous avez dit en cachette. Parce que je me dis trop bêtises dans la figure, tellement hypocrite, pendant ce temps, même moi, je en bas de et même bêtises dans nous dit en bas de et même lui-même, moi, dit live la vie. Parce que vous êtes un hypocrite, vous êtes un lâche, vous êtes un sous-homme. Vous polissez l'esprit, vous confondez qu'on docile, vous sont docile, vous sont âne, vous sont un cheval, vous domestiqué, vous dressé autant qu'on animal. Yo rend nous conforme à visage société a yo docile ou yo faut vinn doux mentalement yo décide yo bon contrainte yo dou mais comment pour penser mais son doit dit yo réguler langage yo réguler discours qui dans journal c'est-à-dire degré de liberté que on gagne c'est lou envie ou envie de bêtise même là bon pas de courage pour dire l'homme campé me dit fuck you, me dit là. Get maman, me dit Joel Boke, Coco senti. Ou paniquer. Ou comme ça, faut paniquer. Ou pas paniquer parce que me dit bêtises. Ou paniquer parce que ou fait ton écrasé. Mose dit. Parce que m'a dit, dit, fuck about you. M'a pas qu'elle de Joel ou, m'a qu'elle de son pensée, m'a qu'elle de son bral dit. C'est le niveau de liberté, ça de bon problème, oui. Ou pas aimer.
pour m'échapper avec contrainte sociale ou qui dépose imposé sur moi. Ou pas aimer avec formalisme que m'échapper de lien. Tellement à l'aise. On prend ou parler caca ou dit monsieur dit trop bêtises ou traiter de ou still I don't give a fuck about what you think nigga. I don't give a fuck about what you say nigga. I don't give a fuck about who you are nigga. I still gonna put some bullshit in your fucking face. Et c'est ça le bon problème, la boldness. C'est capacité pour me dire bêtises dans figure le bon problème. Et ça ou pas à l'aise. Pendant ce temps, l'on est vu, on entre en bas qui l'autre maman, ou entre en bas bobot maman, ou a dit bêtise. En cachette, ou pensez pas qu'on dit bêtise? Cochon, ou dit bêtise, puis mal passé. La preuve en est, l'homme dit une bêtise, ou entre en bas l'aïman, ou dit bêtise tout. Avle de kon bêtise, cochon. Et pas bêtise ou pas kadi. Mais yon formalise l'esprit, ou yon faut comprendre, faut social, faut sociable, bon façon de parler sous moun. Tchol bo qui est, m'gal don ti bagay cochon senti. Frère wap se ou, pa kap manje nan kaka, et puis pou perdre kaka. Frère wap se ou, pa kap manje même côté à cochon, et puis pou de di koko cochon. Frère wap se ou, pa gen l'hôpital pou yo couche, pou yo jwenn soin, et puis pou on di que son dal senti kaka kap dirijo, parce que son mal propre. C'est parce que yo docile l'esprit ou son esclave, ou aliéné. Et pour besoin changer société, comment on va changer société? Pour beaucoup qu'à révolutionner au niveau de l'esprit, ou pour qu'à décoloniser l'esprit, ou pour besoin changer société. Qu'est-ce que société va changer? A qui courage, ou bien courage pour ça? Gardez j'en prends courage, moi. I don't give a fuck about what you think. Gardez j'en prends courage, moi, m'abgarde dans la vie, ça, pour m'abdou fuck you, nigga. Ouais, ça? Ouais, j'en m'a l'aise là-dedans. Et c'est ça te dérange, là, une toi à l'aise. Et je suis mal à l'aise. I don't give a fuck about qui ça ou pensez, qui ça classe politique traditionnelle pensez, qui ça Yuri la toti pensez, fuck them, qui ça Michel Martelly pensez, coco maman Michel Martelly, qui ça comme Jean Charles pensez, boule en gâte maman Michel Jean-Charles, m'a besoin que qui ça Aristide pensez, triple en gâte maman Michel Aristide, m'a besoin qu'on ait qui ça Boulos pensez, colon gâte coco maman Boulos. Depuis peuple moi on va manger. Pour c'est me gain temps pour mal faire civilité avec cochon, senti qui reste avec blanc qui kembe peuple là dans misère là. Non pas c'est me gain temps pour ça. Non pas c'est me gain temps malgré les senti cri jol bok qui en Haïti, cap casser coupe paysan, cap casser caisse l'état qui fin casser l'argent. Qui fin prend l'argent qui destiné pour faire route l'école. Yo prend cop peto caribéa entre yo nan clan nan gang yo met tête ensemble yo craser le puis y a regarder peuple la jeunesse là nan zye pendant ce temps pas gen l'école pas gen l'hôpital pendant ce temps petit tu a étudié dans grand pays y a acheté caille pour madame yo pour bousin dans tout l'autre pays et puis nèg ça c'est yo cap di ou comment pour parler colan get maman yo ou gen problème avec ça parce que ou même ou après les vivio ou a drivé derrière yo ou a ba yo respect moi même pas respecter ou fâché vous ça. Ou fâche peut-être, tu senti cri ou yon épinglé yon, ka fait kaka, qui reste avec blan, pa kaka de blan anje yon, pense, ou se m'pè yon ou sa, ou pense, j'on pè yon, ou ta remè m'pè yon yon, an j'on pè yon la toti, ou pense, m'ka pè yon la toti kon sa, j'on pè Aristide, ou pense, m'ka pè Aristide kon sa, j'on pè Maurice Jean-Charles, senti kaka, ou pense, m'ka pè Maurice Jean-Charles kon sa, j'on pè Reginald Boulos, ou pense, m'ka pè Reginald Boulos kon sa, j'on pè ti Nicolas Duvalier senti kaka Jol Bokye. Ou pense moi même m'ka pè Nicolas Jol Bokye Jol kaka qui vin krasé un pays comme ça et puis qui djou mais comment on doit parler qui djou mais comment on doit ak k'ap dicté au comportement doit gagner k'ap dicté au qui parole doit di nan figyo ou anèt kan comme ça ou fò yè rablodé la voisin vite là. Ah, on la voici là. Et moi, c'est que beaucoup qu'on est avec qui est son affaire, camarade. Ah, camarade. D'après un petit temps, vous réfléchissez. Oh, t'es pensé son monde, moi, t'es son des monde, cochon. Même dit bêtise, malandré Abdil, t'es pensé c'était monde, moi, t'es cochon. Son des monde. Pas vivre aux États-Unis dans la société, que t'es respecté monde. C'est malade là, c'est 911 y'a call lui. Si m'tombe là, y'a call 911.
Et puis nous avons venu en ambulance, nous avons venu premier bon premier soin, nous avons traité. Après ça, nous avons eu bill là bon moi pour me payer. Mais nous sommes malades, qui ça doit passer. Si tu es malade à Haïti, pendant après les vivres, senti cri, tu vas marcher des vacabons. Pas de petit bagage. Si moi, Jean-Charles tombe le malade, et Cuba, il va aller avec ou bien Saint-Domingue, ou bien Miami, ou monter avec lui. Mais ou même, en Haïti, qui a boule caoutchouc, qui a buvé, qui a fait militant pour mille gouttes, si tu tombes malade, cochon, quand tu penses que tu vas aller ou bien visa dans le monde pour aller Cuba, ou bien l'argent pour ça, même l'argent qui va gagner. Quand on arrive, ou qu'on paye l'hôpital Saint-Domingue, ou pas un visa pour monter Miami. Si Reginald Boulos tombe malade, qui est-ce que tu penses qu'il va aller avec elle? Il va dans l'hôpital, mais avec elle pour aller pour les soins. Et puis quand il a préparé pour aller, pour monter Canada avec elle, aux États-Unis avec elle, pour aller pour le bon docteur. Cochon! Senti caca! Si Yuri Latorti tombe malade, qui est-ce que tu penses qu'il va aller avec Yuri Latorti? Malandrin! Qu'après les vivre, cochon, senti cri, reste avec. Qui est-ce que tu penses qu'il va aller avec elle? Vous pensez qu'il va aller dans l'hôpital général avec elle? Cochon! L'hôpital général pas fait pour homme politique ça. L'hôpital général fait pour vous, malandre. Et pour vous, vous mettez-le. Parce que vous considérez vous comme une sale. Vous considérez vous comme une sale. Et puis après, vous passez dans l'hôpital Mesavel, et puis vous avez le premier soin, et puis vous dites, bon, écoutez, nous n'avons pas les spécialistes, nous besoin de spécialistes, et puis vous passez coup de fil, et puis vous prenez Yuri Latorti, vous prenez Reginald Boulos, vous prenez Maurice Jean-Charles, vous prenez Ti Nicolas, vous montez avion avec vous, vous venez au premier soin, dans le cas mettre vous, cas boss vous, à l'Occident. Et ça, vous faites. Vous faites. Et puis vous-même, vous quittez en bas pour manger caca, vous quittez en bas pour après les vivre. Il quitte en bas pour appeler les bas à bas. Parce que son petit quand il cacoye. Et puis quand je pense au cabinet en bas là, il m'a pas dit comment de parler. Petit cochon. Quand j'ai vu dit des bêtises, ou chita dans caca. Et pour moi, dit c'est caca à manger. Au moins, si tu as courage pour dire c'est caca à manger. Quand j'ai monté à réfléchir, je t'ai aidé au sauté pour suspendre manger caca. Pour manger caca et pour dire c'est de l'eau, c'est dire à manger. C'est caca à manger. Il faut que tu courage pour dire caca à manger. C'est bon cochon chita, c'est pour dire c'est bon cochon chita. Ou pas venir manger, ou pas manger bon cochon pour faire mon comprendre dans Facebook. C'est sous ta boîte manger. Non, pas baïté ou menti, hypocrite. Ou hypocrite, ou victime, ou son victime. Ou son victime qui pas conscient. Y a pas d'eau pour conscientiser ou, y a pour faire jour. Mais mon cas pour faire jour, la lumière trop bright ou, lumière trop clair. Lumière ça trop dur. Pour vérité à produire ou pour valer. Vous préférez prendre vérité à pour passer en bas. Il faut choisir les vivre, c'est pas choisir les abats. Et c'est ça qu'il faut pour prendre plaisir, pour craser, pour briser, pour être dans la même condition et pour petit tout retourner même dans manger, même caca, même là haut. Même si on va bien. Il y a un qui dit comme ça, oh! Moi, je ne parle pas de bêtises. Attendez, moi, je ne parle pas de bêtises. Ouch! Je me sens content de me dire. Moi, je suis un idiot. Et que tête, c'est une tête caca là-dedans. Oui, mais je ne parle pas de bêtises. Oh, je me sens bien, je ne parle pas de bêtises. Oh oui, ou pas rendre compte. Posez cette question d'abord. Qui ça te fait aimer? Les m'a parlé ou pas de bêtises. Les m'a parlé ou pas de bêtises. Qui ça faut aimer ça? Leur vrai, j'ai une vraie raison qu'il faut aimer. Les m'a parlé ou pas de bêtises. On va comprendre. Pour qu'ils raison ou remet les m'a parlé ou pas de bêtises. Ou pas qu'à juste que tes consorts dit ou remet. Les m'a parlé ou pas de bêtises. Il faut qu'on raison qu'il faut dire ça. Et c'est ça pour être bêtises ou un problème. Parce que si c'est bêtises ou un problème, outre hypocrite. Parce que bêtise n'a pas le caca là chaque jour. Ou dit bêtise chaque jour. En pile. Bêtise n'a pas le en pile. Chaque jour. Mais de quoi ça te fait? Contrainte sociale. Contrôle social. Il faut entrer dans conformisme. L'esprit vient doux.
l'esprit ou vine poli. Ou confondre vitesse avec précipitation. Parce que vous manquez. Vous manquez en pile. Vous comprenez pour quelle raison officier vous tuez les gens, vous faites assassinat politique. Je vous explique. Assassinat politique. Pour nous comprendre l'échelle des valeurs. Tant pour nous râler les âmes pour les politiques officielles. Si vous avez une possibilité pour dire que la boule est guettement dans le micro, vous avez parlé avec elle. Le problème n'est pas résolu là, oui. Parce que vous avez exprimé frustration envers lui. Vous avez dit que la boule est fuck you, dans le micro. Tout le monde a pas un problème, monsieur. Mais on connaît nous tellement mesquins, nous tellement hypocrites, nous tellement traites en politique. Pendant ce table-là, avec les gens, vous avez joué la forme. Pendant ce table avec politiciens, ou qu'on est dans le maillot pour le fusil, ou qu'on est dans le maillot qui a fait complot pour fusiller les camarades là. Pendant ce table, on va discuter avec elle. C'est l'homme. On va utiliser une belle phrase. Mon cher, oh, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point, monsieur un tel. Bon, écoutez, il faut comprendre que les circonstances qui nous ont amenés aujourd'hui autour de cette table ne sont pas en quelque sorte. Et puis tout le monde content, on va parler. On va vendre la société. On va jouer avec mœurs, vice qui gagne dans la société. Pendant ce temps, on a passé l'ordre qui côté pour aller prendre monsieur, pour rencontrer, pour fusiller, pour assassiner. Ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'haïtien. Ça c'est le mal haïtien. Nous n'avons pas courage. Nous n'avons pas du courage moral pour ne pas paraître une image nous. Pour nous dire vrai ça, nous y a. Nous avons courage ça. Nous cheap, nous pauvres dans l'esprit. Nous minables. Nous tellement petits. Nous puissions tomber dans la forme que le fond. Nous très formalistes. Tout ça nous fait, c'est la forme. Et ceci dans tout aspect dans la vie, nous, comme ça. Nous valoriser mensonges. Mentir, c'est bagay qui est plus important pour nous. Nous préférons le mensonge que la vérité. Nous avons la vérité en démangeaison. Nous pas attendre ça. Depuis que nous dit nous vérité, nous pas à l'aise. Nous avons en démangeaison. Nous raillons la vérité. Nous raillons lumière. Nous remettons ténèbres. Nous raillons bagay qui noble. Bagay qui noble, qui propre, qui clean. Bagay qui faut qui pour forger caractère nous pas vouloir ça. Nous plus à l'aise dans menti. Nous plus à l'aise dans vice. Nous plus à l'aise dans bay menti. Nous plus à l'aise dans bay coup. Nous plus à l'aise dans piéger moun. Nous plus à l'aise dans bay moun coup dans dos. Nous plus à l'aise dans traite. Pour nous ta à l'aise là, c'est pour nous ta paraître. Pour me pas malgré me pas à l'aise avec Maurice Jean-Charles, me pas rien programme Maurice Jean-Charles, me pas rien politique café. Pour me ta à l'aise, faut me ta paraître pour me parler nous de Maurice Jean-Charles. Oh Maurice Jean-Charles c'est bon nèg. Oh Maurice Jean-Charles c'est jusqu'au bout. C'est fois l'avancer, c'est laisser nous t'a content. Nous hypocrites, nous traits. Ça veut dire puisque me pas nous vérité version pas nous pas à l'aise. Nous pas à l'aise. Nous pas à l'aise. Et pour me ta à l'aise, faut me ta hypocrite. Pour me conformer avec nous. Pour me battre menti. Pour me dire, ah mon cher, moi Jean-Charles, c'est celle qui a changé le pays. Et puis m'oublier le système. Moi Jean-Charles, c'est celle lui-même. Et puis qu'on a nous tout à embrasser. Nous tout à dire, ah mon cher, mais n'est qu'à parler pour vous. Oh mon cher, ça va dire, c'est vrai jusqu'au bout. Parce que c'est ça. Nous remets mensonges, nous remets hypocrites. Et c'est ça classe politique traditionnelle là. Jouer sous ça là, quand nous. Yo reme yo wè nou reme menti, yo ba nou menti. C'est ça que yo te ba nou banane pour nous bourrer comme cochon. Tout ça yo ba nou, nous reme parce que c'est mensonge nous reme. Depuis yo ba nou vérité, nous pas reme vérité. Qui te moun nèg ta paraît là, il paraît li di nous vérité. S'il paraît li di monsieur nous mettre voter dans 5 ans là, ton écrasé même mon pinaise m'pa ka jeter en dedans pour pays là. Même mon route m'pa ka faire. Même mon chemin m'pa ka bagaille à cause de bagaille même problème. S'il ta paraît li di nous vérité, nous ta pas voter. S'il dit nous vérité, nous n'avons pas voté, nous n'avons pas voté.
Parce que nous habitués à mensonge. Nous aimons mon cap ba nous menti. Nous aimons mon cap ba nous promesse qui va vérité. C'est ça qui fait nous des problèmes avec les petites bêtises. Ça nous les bêtises là. Nous aimons nous des problèmes à ça. Parce que nous aimons mon qui formalise. Si m'te parle ouais, l'aime parle, m'a parle nice, m'a parle bien. Pour montrer nous esprit me fait qui fait me parle nice parfois, oui. Qu'est-ce que nous disons bêtises dans parfois, oui? Nous disons bêtises dans parfois. Les gens ne disent pas bêtises dans, ils sont dit, oh mon cher, moi, mais l'on va dire bêtises ou à l'aise. Non. C'est comme si nous avons dit que lui-même seul qui est haïtien. Je suis conscient que la réalité, la vie dans le pays d'Haïti, c'est une réalité qui dure. Malgré que je décris la réalité à Bali, il y a un problème avec. Je décris la réalité. Je fais même histoire avec les racines. Problème non. Pour montrer le côté problème non. Montrer la classe politique traditionnelle, ça, tout ce blanc qu'il avait. Montrer la possibilité de gagner pour changer le système non. Et que yon green n'est pas qu'à changer le système. N'est pas arrivé, système Nabouel. Mais puisque l'on situation difficile, il va attendre des vérités. Il n'est pas à l'aise dans la vérité. Il n'est pas à l'aise. Vérité à rendre inconfortable. Il n'est pas confortable. C'est-à-dire, ce monde qui est tellement conditionné dans le mensonge, il est tellement conditionné pour vivre dans le mensonge, il est tellement conditionné pour le temps des mensonges, il est tellement conditionné pour consommer le mensonge. C'est ça qui fait toujours deux comportements. Vive à bas. Comment on peut éviter les vivre? Comment on peut éviter les à bas? C'est l'aile de retirer le système. Nan. Et il y a un plus grand problème qui vient. Et là, l'autre la pensée m'a dit, m'a fait décrire un système comme ça. Et m'a dit comme ça, nous-mêmes, dans BBJ 109, il dit, oh, qui sauve vous-même? Attendez. Nous disons nous-mêmes, dans la Bible 19. Et puis là, dit comme ça, oh, qui sauve ou même? Nous disons, comprenez bien ça, nous hein? Moi, je dis nous-mêmes, dans la Bible 19, ça veut dire me faire référence à un groupe de jeunes garçons, jeunes femmes, qui mettent tête ensemble, qui ont réfléchi ensemble pour accoucher une nouvelle société, pour accoucher une nouvelle position, qui font un travail de décolonisation, de déconstruction. Comprenez? Et puis qu'on y a là, pour inscrire dans nos dynamiques, pour accoucher une nouvelle société, qu'on a dit comme ça, ou même, qui sauve ou même, t'as dit bien, qui sauve ou même, moi-même, qui m'a dit, qui ça m'a dit, moi-même, ça veut dire, pour lui maintenant, Maïli, c'est ça m'a dit, il faut quand même prendre conscience de la réalité, non? Pour lui dit, qui ça, nous voulons, pour l'inscrire dans la dynamique, ça, puisque je fais un diagnostic comme ça avec elle, il retire la tête dans l'ouvre. Il dit qui ça ouvre ou même. Il a dit c'est toujours la même mentalité ça pour marcher dans un nègre là qui problème. Nan. Au lieu de la dire, attendez, je vais poser une question. Au lieu de la dire, bon, dans la situation, ça, qui ça nous ouvre et qui ça n'a fait, il dit qui ça ouvre ou même. Qui ça veut dire, il a toujours une tendance messianique dans la tête. Qui ça ouvre ou même? Ça veut dire, la bonne réponse, nan, c'est dans moi pour le sortir. Alors qu'elle était qu'à venir, il dit, bon, j'aime moi sortir dit dans nos ça. Mon cher, je comprends tout le vrai problème vous posez. M'appréhender ça dit, bon, qui ça n'a fait qu'on y a? Qui ça nous pral fait? Non, il n'y a pas la donne. Tenez-vous, il y a des responsabilités. Il n'y a pas la donne. Qui ça ouvre maintenant?
Avè di se mèm comportement sa. Avè di l gen mete m devan kòm mwen te sove a, mwen te senye a, mwen pa vin bay solisyon. Li pa vle angaje l. Li pa di ki sa nou vle. Li pa di m konsa, mon chè, an gade pou nou wè paske solisyon pa vle lansanm non. Li vle toujou son nèg pou l mete devan ki pou vin diktèl ki vin avèk baga la soti nan siel vin pote bali pou la kou. Men problèm nan. Li pa pran angajman. Ki sa ou vle ou mèm? Au lieu de dire, mon cher, qui ça nous voulait? Qui ça nous voulait? Il y a un monde qui décolonise cette question, ça le pose. Qui ça nous voulait? Comment vous voulez un nec comme ça? Les qui te retire tête dans le processus là. L'attendre moi vienne avec solution miracle là. Moi même oui. Il veut laisser moi vienne avec solution miracle là. Mais le peuple il pas m'engager non. Malgré que des m'a dit nous même dans bébé J109. Nous même en dedans groupe garçon jeune femme ça. Non, il pas d'accord. Il va là dedans non. Pour quelle raison? Mais lui même puisque l'on dynamique pour le prêter mon dit doigt. Et ou même l'attendre on sauver. Et ou même qui sauve lui? Même je l'ai dit qui quand ou? Ou même la voisine, qui est souillé, qui, à qui mon map marché? Avait dit, non, Miley, yon qui te colonise le conditionné. Ça veut dire, pas un discours possible pour gagner dans la réalité haïtienne, pour séparer derrière un monde pour malgré on répète le pour yon chaque jour, ou tu pas dans la classe politique traditionnelle là, ou pas dans ni X ni Y, mais tellement yon conditionnel dans Miley, esclave mental là, pour lui-même, non, c'est moi-même. Qui vous vient en solution. Pendant ce temps, les part of the solution. C'est-à-dire, problème, non, nous tout la donne. Moi la donne, li la donne, l'autre la donne, X la donne, Y la donne, Z la donne. Moi dis, mais qui est-ce qui sous ce problème? Moi moutel, qui moun qui mette nous dans le problème? Moi dis, mais qui acte qui involve dans le problème? Mais tout bagay qui dans le problème? Non? Et puis il dit comme ça. Qui ça ouvre ou même, comme si lui-même n'y pas de problème. Entendez, yon. L'autre là dit comme ça. Mouen ou raïti moi. Bon. Ou en formulation. Elle dit, n'est-ce pas un problème avec mouen. Elle dit, toutes les m'a parlé, m'a dit que société haïtienne est hypocrite avec question bêtise là. Elle m'utilise question bêtise là. Dans la réalité politique haïtienne, non? Li di m'rayi moi. Bon, tant mou. M'pa koun nèg la ni rouge ni noir. Ça m'gè m'rayi la. Moi vole madame mwen. Même lèl d'avoir le madame mwen, qui pour raison bal gè m'rayi la. Parce que si madame ne pas d'accord, li pas d'appale. Mais tant mou. Ok. M'pa koun j'aime m'kwaze moi pou m'bal la me. L'autre la kampe carrément. T'es mou tout nan ki ni voit ici en dangereux. Il dit m'raïl, puisque m'exprimer position moi à travers un discours virulent côté que m'a correspond avec ti messieurs fanatique le fanatisme excessif des dirigeants des militants Moïse Jean-Charles maintenant m'a désacralisé un individu autre au lieu que vienne avec un programme il a désacralisé un homme. Yo li pa comprendre si c'est merci que au devant moi en dimension messianique au devant moi dans Timor là que m'a désacralisé non li pa comprendre ça non comme sauver Timor c'est celle sauver Timor c'est sauver Timor c'est lui pour mettre nous dehors Timor c'est Jésus-Christ qui vient libérer nous Timor c'est Moïse ça yo une voyer nous qui pour mettre nous dehors dans système qui pour libérer dimension messianique là m'a pensé déconstruire la cali m'a désacralisé Timor ton écrasé tête vent pas qu'arriver dans dimension de réflexion ça pour ouais mais qui dynamique moi mais qui dynamique moi li dit m'ray nèg là il m'ray et si on moun pas tendre bien ah,
une dimension mal. L'autre l'a dit, me parler mal de Timoy. Tandis, me parler mal de Timoy. Gen nèg en politique en Haïti, me parler mal de lui. Maintenant, entendez bien, oui, me parler mal de lui. C'est mal me parler de Timoy. L'aime me parler de Boulos. M'te dit Boulos de voler, m'bre le divorce de chien, m'bre le divorce de politique senti cri, politicien senti cri, salope, malpropreté. Ou kon la en bas live, oui, fanatique Timoy là, ou j'aime dit m'bale Boulos mal, m'bale m'di, m'bale Boulos mal, ou kon pour qui raison, parce que Boulos, ou pas fanatique Boulos. Ou tellement hypocrite, m'ka parle Boulos mal. L'aime pour Yuri. M'a dit Yuri, c'est mettre dame ou d'acier, je cherche, m'a dit Yuri bêtise. Vous content? L'aime pour Tinikou, vous content? L'aime pour Aristide même, c'est zin pété. Ou tellement hypocrite, tellement fanatique. Fanatiste là, renoué avec. Bon, finalement, comme si. Gardez bien pour nous, oui. En bas live là. Ou après, mounan qui écrit ou gagne un problème avec personnel avec Timoy ou bien des viewers, il gagne un logo BBJ là-dedans. Il est Ishala, Richard Joseph. Gardez où, il gagne BBJ. Il gagne un logo BBJ. Bat bravo pour la jeunesse. Qui Morvan, John Colin a dirigé. Mais ils ont toujours dit, attendez, ils ont toujours dit dans BBJ, John Morvan Colin a dirigé. Ils ont toujours voulu faire comprendre que BBJ John Morvan a dirigé. Ils n'ont pas penché pour Jovenel Moïse. Ils n'ont pas penché pour Moïse Jean-Charles. Alors regardez bien pour nous. Tout fanatique, BBJ, c'est fanatique Moïse Jean-Charles. Mais vous mais, connaissez bien, mais comment oui? Tenez bien? Mais comment oui? Non! BBJ, pas fanatique, nous pas nous pas nommer Jean-Charles. Non. Mais nous pas nommer Jean-Charles. Et puis on dit, Marvon Campbell dit, non, moi-même, je ne vais pas travailler pour moi, Jean-Charles. Et puis d'assez. Comprenez bien. Pendant ce temps, tout le monde qui dossier dans le pays d'Haïti, c'est le moi qui va gagner. Et puis tout fanatique moi, Jean-Charles, yo, côté bourré dans le BBJ. Et puis on a à la tout, bravo pour la jeunesse, boubou, à fond travail de dénonciation, et puis c'est le monde qui clean, qui propre dans le pays d'Haïti, dans la classe politique, moi Jean-Charles, beau, et puis on a à tout le monde à la région, et John Morvan Colin, et BBJ. Quand vous voulez séparer BBJ avec moi Jean-Charles, comme si tout le monde qui fait politique, tout le monde qui a l'école qui est dit que qui forme son dans le tête vent, il y a les mêmes gens avec vous. Comme si nous ne comprenons pour qui raison nous-mêmes, nous sommes dans BBJ, nous te dit que nous pas marcher collé avec pièces politiciens traditionnelles, c'est 109 nous avons. Comme si nous-mêmes qui dit nous c'est BBJ, 109. 109 là, c'est pour réfuter la classe traditionnelle avec manœuvre qui t'a fait dans BBJ. Avec ma et fanatique Moïse Jean-Charles, pour yon mettre un travail pour BBJ, pour Moïse Jean-Charles. Quand yon pense que c'est égaré, nous. Yon pense que c'est plus intelligent, plus mesdames. Regardez vous, 70 à 80% moun, qu'après les, oh BBJ, bat bravo pour la jeunesse, regardez pour moi en bas. Dernier crasse net, plus fort c'est fanatique Moïse Jean-Charles. On a posé ta question. Posez ta question. Posez ta question. C'est
simple coïncidence. Ouais, comment c'est fini là, Meni? Comment c'est fini? Au jeune Marcus, Marcus Bastien, comment c'est arrivé? Meni, I like it. Hein? No one? Ouais. Mais l'autre là, d'où? One? Non, moi, mais là, au vini. Alors, on so qu'on y a là, quand ils disent ça, oh, bon, mon cher, son on est qui, dégage tant d'eau bien, il veut faire un bébé juste en neuf, et bien on est qui traite, donc on est loin à faire avec traite, n'a pas géré, donc on est infiltration qui vient, on géré. Faut nous dire imbécile dernier classe en bébé Jésus pour nous voilà qu'on est qui gagne mon nek ça mon moi Jean Chalio pour target moi pour arriver yo voyer mon yo dans mitan bébé Jésus là pour venir bagarre mais nous connaît nous maîtriser ti volo ça mais le comment c'est venir venir dans les mais on l'a encore ribat. Cerveau idéal, puissance, la puissance. Bon, tant de gens nègre les têtes, cerveau idéal, la puissance. Il y a des caca pour mon nom ici. Mais Brutus Aristote. Brutus Aristote. I love those people. Moi, montrez-nous. Brutus Aristus côté Aurélie l'autre là cerveau idéal la puissance Marc Marcus Sébastien Brutus la Brutus Marc Marcus Sébastien cerveau idéal la puissance qui dit n'ai pas problème à moi Jean Charles OK moi montre comment j'ai moi problème à moi Jean Charles. Ou pas content, non? Ou pas content, quand même. Ou bon? Et si me comprenne, Brutus, la Brutus, bon, comme si on s'aurait dit tout, cerveau idéal, cerveau caca calbasse, cerveau caca calbasse. Maintenant, je ne sais pas que. Bon, fanatisme, Raphaël, Ligo de Prenne, la grenade, Timoy. Fanatisme, c'est son drogue, oui, camarade. Pour son père, bon, c'est normal pour exprimer ou fanatisme pour exprimer contentement ou de Timoy. Mais son drogue, oui. Pour me questionner, monsieur, pour me bagaille, parce que sous pas qu'à faire, parce que fanatiste avec vous, qui te fait même pour que j'ai un problème avec ça. Ouais, ou vache. L'autre a dit, moi, ça m'équilibre, analyse. N'a qui équilibre, ma bataille, classe politique traditionnelle, on va venir m'équilibre, analyse. N'a qui analyse, équilibre, m'de. Ça fout qu'on déquilibre. Ou déjà, nos fanatiques, on va parler d'équilibre. Je t'ai chien. Tête vont venir m'équilibre, analyse. Ou ça fout qu'on déquilibre. Bon, tête ou qu'est-ce qu'on chante en bas. Et pour parler d'équilibre. C'est des gens qui sont équilibrés déjà, qui comprennent, qui pour parler d'équilibre. Bon, bah, ou déjà nommé non fanatiques excessifs, qu'on a vint dit, qu'on a vint équilibre, qui équilibre, m'a le problème, qui équilibre. Hein? Bon, on a parlé, on a dit, quel problème m'a le avec les bagages. Vous comprenez? Brutus Sanctitus Spiritus Petum Factorem Tuem Tem. Bon, écoutez mes chers amis. Tout matin là, m'a élaboré de façon consciente. Notre perspective pour mettre en évidence quelques éléments de frein qui empêchent société à, bien entendu, sortir dans ma race.
Alors, faut te garder bien comment démarche là t'est intéressant. Pour montrer que système ça, classe politique traditionnelle là, parce que les nègres fanatiquement Jean-Charles, en réalité, ils ont besoin pour me parler de les m'a parlé, les besoin parler de classe politique traditionnelle là. Pour yo là même, parce qu'il a dit que Maurice Jean-Charles c'est un nègre qui va gagner dossier qui yo veut me retirer Maurice Jean-Charles dans classe politique traditionnelle là, comme si pour me parler, les m'a parlé de classe politique traditionnelle là qui m'a pour me dire Maurice son exception. Bullshit, comment qui exception de à Maurice. Comme d'a dit Maurice Jean-Charles c'est l'exception pour yo ta content. Fuck it. Comme si pour m'ta bon pour yo là, les m'a parlé de classe politique traditionnelle. M'a dit yo il a torti tel bagaille. M'a dit tel bagaille. M'a dit original Boulos c'est caca. M'a dit tel c'est tel. Comme si pour yo là, pour m'ta bien, pour yo ta bien pour analyse ta rentrer dans sang yo. Pour ta comprendre, pour ta remer analyse. Faut m'ta dit mon cher, dans toute classe politique notion seul nèg qui fait me fait exception de li, qui pas gain dossier, li relé Maurice Jean-Charles. Quand ta fois carré. Maurice Jean-Charles, comme si vous voulez me retirer, comme si vous me faites nos plaisirs, quand il y a nos dalti tête caca, tête vent, tête pété, et ça nous paraît même dit non, comme il nous paraît même pour nous faire Maurice Jean-Charles parler passer comme exception pour nous. Mais qui caca ça? Quand on m'a parlé de classe politique traditionnelle, nous voulons prendre Maurice Jean-Charles pour mettre la licor comme Messie qui va venir sauver Haïti, comme c'est une équipe intègre, comme c'est une équipe droite, comme c'est une. C'est là ça nous d'être content? C'est là ça nous d'être content? Mais t'as déjà dit, Moïse base, c'est celle nèg dans classe parti politique, classe politique yo, Haïti qui gen conviction base. Qui conviction? T'en nèg krasé mou pou j'aime contre à Moïse Jean-Charles pou chita parler avec la dé. Tout nèg wè k'ap vin radoté là sou parle là. K'ap rele vive Moïse Jean-Charles gen conviction ou chita à Moïse Jean-Charles déjà. Dis-moi j'aime croiser Moïse Jean-Charles pou chita avec la dé non? Ou parler à Moïse Jean-Charles déjà? Comment tester conviction moun? Ou tester conviction Maurice Jean-Charles? Ou parler à Maurice Jean-Charles? Une chita en balle la, une radoute dans figi moun. Bon, Maurice Jean-Charles, on va contrer ça même. Ou j'aime rencontrer avec? On va dire tant d'oeufs, tant de moun kap di Maurice Jean-Charles, ou répéter Maurice Jean-Charles. Ou j'aime croiser à Maurice Jean-Charles? Bon, moi-même, c'est ne koro am chita la, m'plis ka rencontrer Maurice Jean-Charles avant qu'on rencontre Maurice Jean-Charles. Senti cri. Ou même après les vivres, Maurice Jean-Charles, ou même t'as croisé à Maurice Jean-Charles. Et ou même jouer là, ou même rager comme si on est ou qu'on est, on est ou croisé, on est ou parlé avec elle, hein? Mais senti que la dîme, n'est ou cap moué, oui, base, n'est ou cap lié. So, ouais, voilà les gens qui n'est ou cap. Parce que ou même ou cap là, et pas question ça, ou d'où ou cap, qui rapport? Ça a gagné ou zé ou cap. Ou d'où est-ce qu'on croise à Maurice Jean-Charles, ou chita avec elle, mais c'est vos idéal, c'est vos idéal à venir à d'autres. Ah bon, ok, bon. At least, Raphaël, ou bien content qui t'a parlé dans le chemin. Oh, bon, écoutez, je suis malé, nous on est qui va avoir des problèmes. Boutous, Aristoute, Boutous. Mais la joue. Yo te problème avec dit que pas jouer bien jouer. Ou pas foutre parler avec pièce menti. Kone Maurice Jean-Charles konon. Ou après les Richando Saint-Fort. Bon la bataille après les Maurice. Kone yo meto là sur Facebook là pour jouer pour dire vidéo bon 1000 good qu'on va venir parler caca. OK. Bon, mes chers amis bah c'est me dit faire un bon petit chita parler avec nous, c'est ton plaisir vous me dire avec nous. Fanatiquement Maurice Jean-Charles, je dis à la voix qui vous. Maurice Jean-Charles avant mal, m'a dit un petit bail pour Maurice Jean-Charles. Et Raphaël, oui tous ceci cela. Mon cher bon monde qui dit que Timoy et Richardson, je dis Moi sont bon nèg qui vraiment douce. Je dis Moi un petit bon d'azaboka, un petit bon d'azaboka bien douce, bagaille. Mais je connais est-ce que c'est vrai. Je dis, moi, il semble un œil qui douce. Bon.
gon vagabond qui dit Moïse, gon fanatique Moïse qui dit Moïse Jean-Jal qui dit oh Massis oui. Il joue Massis. Il dit oui, il joue Massis. Il dit oh Massis oui, n'est pas acheté comme ça. Au fanatique Moïse Jean-Jal. Et puis il dit c'est comme ça bon. Donc on est là mon cher. Ça bon si. Et m'gè pou m'descend Haïti là. Yo dit Moïse Jean-Charles très easy. M'va filer Moïse Jean-Charles. Lèm fin filer Moïse Jean-Charles. Et m'va aller pointer tété Moïse Jean-Charles, m'a coqué Moïse Jean-Charles bien coqué. Yo dit monsieur gonti photo Moïse Jean-Charles m'a côté le gonti pantalon. Moïse Jean-Charles gonti pantalon souliant ti. Yo dit le gonti bunda zabouka. On voit un petit monde bien sexy bagaille. On dit m'va flamber monde à Moïse Jean-Charles à coup de coq. Il s'est dit, on garde ta ou pas ici. On garde ta ou. Eh, pas bout d'abord, je chalou à vien. Il dit, ah, mon chè, qui ka quoi vien parler là? Qui bullshit vien parler là? Hein? Mais qui ka quoi vien parler? Il dit, ma prie à les oeufs et moi, je chalou pas de. Reprenne, ma prie tire, moi, je chalou, ma prie à les grès, poil, moi, je chalou, bah, ça ou. Et puis, ma bien coqué, moi, je chalou, bien coqué, ma pété, moi, da, moi, je chalou à coup de zozo. Il s'est dit, ouais, t'as des lutins. Avant, je m'assis sous, eh. Tandis, il finit de m'assis ici d'abord. On a dit quoi, Jean-Charles, tu as regardé au terrain. Divine, joue, peut-être on pense mettre le joue, Massissi. Oh, Massissi, PHT, Kassa, Massissi, sale, Massissi, c'est là. Bon, ok, bon. Quand il y a un dit, ok, Massissi, il n'y a pas de problème. Je descends à Haïti. On voit. Je dis, Moïse, quand il y a un Zaboka, bien bon, zo, bagay, soit bagay. Je vais péter mon da Moïse à coup de zozo. Moïse, Jean-Charles, à coup de zozo. Je vais râler zo, Moïse, DM, bien péter mon da zozo. Oh! Il s'est marché. Les gars viennent jouer, ma sissi, quand il y a un costume, ma sissi, quand il y a pour parler de Moïse, bon, il fâche. Bon, où joue ma sissi, en tant que ma sissi, on dit, ok, on va le filer Timoy, on va le aller pointer de Timoy, on va mettre ton gars dans le monde à Timoy, et puis on va coquer Timoy bien coquer, on va fouer Zozo dans le monde à Timoy, bon, il s'est marché. C'est bon, on va dire. Hein? Ce qu'on va faire là, bah, on va comprendre, mais qui s'est passé là? Comment ce qu'on va faire? Pourquoi ce qu'on va faire? Bon, ou traitez de ma sissi. Comme dit, je vais rouler pour tete Timoy. Hein? Dans ti chemise rouge, Timoy, ti chemise rouge, j'ai toujours mette. Ma poufoué deux doigts en dedans, chemise rouge, Timoy, là, pour moule ti point tete Timoy, peser ti point tete Timoy, et puis râler bon da Timoy, et puis m'kouke Timoy, bon, ou fâché. Bon, fin dit ma si ou fâché. Mais ouais, avec du nouveau, comment ça nous voulait? Hein? Nouveau, comment ça nous voulait? Quand y'a fâché, ouais, y'a fâché là. Pour y'a fâché là. Pour y'a fâché là. Bon, ap joué, comme répond nous, bagay ou fâché, ouais, y'a fâché là. Gen qui tellement fâché, li dit que ça oh, li kon limel là. On a dit pour, pour kon limel là camarade, on dit OK, m kon éternel là. Pour le fâché. Li dit mi kon limel là, on dit m kon éternel là. Li fâché. Ta non kaka. Ma comprendre non. Bon fâché, ça rien fâché là. Ça veut dire, les jours où la réponse est fâchée, l'estomac, le monde rage. Pourquoi vous ragez fort? Vous voyez? L'autre a dit, nous avons soigné la bouche. Bon, écoutez. L'aime parler bien, ou un problème, ou pas comprendre. L'aime parler bien, nous faisons intervention soi, mais parler de façon pour comprendre, ou pas comprendre. Niveau après ou pour pas comprendre. Quand il y a comme descendre l'échelle là, descend dans niveau parce que niveau bêtise nous dit on dit bêtise ou dit bêtise nous répond nous dans bêtise bon comment de rage bon finalement qui sort lui OK prends ça apprendre et puis qu'on a fini et bien mes chers amis salut nous c'est un plaisir de être avec nous OK puis devant à comprendre c'est un processus de décolonisation et de démystification qu'a fait c'est un processus de déconstruction qu'a fait puis devant à comprendre mais pour l'instant on comprend réticence, nous comprend frustration, nous comprend ça qu'anime nous. On souhaite nous passer bonne journée. Bébé J109 lié, bon bagage retirade. À très bientôt.